Radio AB, bien sûr, à sur le net. Donc, un bel bonjour à tout le monde pour les la tête. Mais voilà, puis la réaction, donc, il vous propose moins d'allumer magazine et puis aujourd'hui, au nom de la rédaction des radios, et bon, bah, bon, on va dans la période. Dernier jour, mois juillet 2023, on a un paquet de sujets, vous savez, des congrès qui présentaient au niveau de la CTM, des manifestations culturelles, bah, qui, en tant qu'ancienne présidente de la commission culture, la commission culture, président de la commission des armes, manifestations sportives, mais niveau international, le tour international cyclisme, particulier, le tour international des yachts qui a présenté cohésive d'armes, sans compter l'actualité internationale, c'est des guerres bah, ici, des putsch. Des tapas là sur le plan international et puis les événements économiques, financiers, comme ces sujets à la caritienne. Attention, en tout cas, si vous pouvez choisir qui sujet ou qui intervient et de côté réflexion et puis interrogation, bien entendu aussi critique, on laisse à la fête en pays, en zone d'arrêt sur le plan international. Alors, effectivement, alors, au premier lieu, mon télé porté en. En soutien et puis un journaliste qui partit, qui quittait nous depuis à peu près 4 jours, en la personne de Claude Bougainville. Claude Bougainville qui était un rédacteur en justice, journal justice, donc déjà une famille politique également, manqua bailler un bon soutien, manqua dire Jean Pirel. Et puis il y a aussi. Il est aussi, pour dire qu'il fait un travail quand même qui est pour talent au niveau du journalisme, puisque nous savons pas des informations, quand nous savons qu'il y a Adam qui c'est des journalistes embarqués, des journalistes qui aux ordres. Et là, nous tenions un journaliste qui était capable faire travailler correctement. Et il m'a semblé aussi qu'il était pendant un bon moment président le club presse. Et donc, tout ça, c'est un grand père de la Martinique, les Moukadis, des mondes aussi pour talent qui capatit. On va rappeler bah, les unités, c'est Oussoya Guinivea, voilà. la joyau, à partir de 17h et demain, l'animation, l'incinération, la joyau. Donc, nous allons dire que c'est un peu de l'eau, puisque moi-même, je connais depuis l'époque les radios libres, en tout cas, à l'économie, c'est la Moukadis, nous parlons de changer. Il y a une grande sympathie parce que c'est un moment consciencieux, un moment qui a une grande culture politique. Et que par conséquent, c'est un grand père pour les médias, c'est un grand père pour les camarades du Parti communiste et du journal Justice. Alors, dit aussi qu'au niveau de la collectivité territoriale, nous rendons un hommage également, puisque il était venu très souvent. Les Moutekani plénière ont été justement enrichis journalistes et puis porter information à la population. Donc, l'information à la population, quand journaliste de Mediapart et de Mediapart a dit, le droit de savoir. Il faut que les citoyens, tout ça, ça commence à s'envahir, d'une manière économique à rouler, d'une manière des travaux de la citoyenne qu'en fait, on y doit savoir. C'est un droit démocratique, c'est un droit universel de l'homme. Et que par conséquent, ça permet nous, effectivement, à travers la disparition de Claude Bougainville, montrer qu'on essaie important de savoir, le droit de savoir l'information pour tous. Tout à fait. Alors, effectivement, je dis à Mankei, il est abordé un thème qui est très important, donc à penser que ça, qui est dans l'actualité, c'est. À partir de ça qui passait en plénière, dernier plénière là, on voit que le président du conseil exécutif là, qui a accaparé quoi, dit l'Assemblée, hein, et maintenant que nous faisons, nous virer à son petit point, à son loi, qui va permettre qu'il y ait une assemblée, il y ait un conseil exécutif, et que chaque séance là bien distinct. Alors ça, c'est un point, maintenant, ouais. Et puis bien sûr, nous pouvons parler, si vous voulez bien, Hervé, du congrès. Sans oublier
et ma capitaux le choix de poser des questions, moi on verra ça. Hein. Et puis, à sous l'actualité qui a fait non seulement en Martinique, mais aussi dans le monde, et puis le rapport qui est entre ça qui a passé dans, à l'extérieur et puis ça qui a venu impacter nous, Martinique. Et puis, il y a ça aussi, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes en période assez festive, et mon téléphone dit clin d'œil à Seyoléa, donc Seyoléa, et puis c'est ma chaîne pistache là, puisque je ne peux pas aller sans doute. Et bien, il y a un polo qui a allé, m'a demandé que, effectivement, que c'est Yoléa, bah, meilleur dit eux-mêmes, et puis que yo, bah, nous, un bel spectacle pendant la période de tout Yola. Ça, c'est important, et puis que nous faisons dans le respect de chacun, que nous faisons dans l'amusement, pas dans la violence, et puis que nous faisons surtout et puis modération. Ça, c'est très, 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 très important. Voilà, on t'a dit ça déjà. Voilà, donc pour prévenir les congrès, c'est un spécialiste d'abord, puis congrès, bon, c'est un peu télescopé, puisque, quoi, c'est une espèce de vague qui a roulé là, notamment les incapacités dans les autres territoires. On va voir que la Corse finit en grande déclaration sur l'avenir, on va voir que les Kanaks finit en grande déclaration, le président Kabila lui-même, personne n'allait dire que la Nouvelle-Calédonie des Kanaks, c'est un peuple européen, si ça est déclaré, que c'est un territoire français, considéré des bouts de territoire qui sont depuis la colonisation. Par exemple, les Anglais qui colonisent Hong Kong, comme ils m'ont soulevé dans Hong Kong, et puis on m'a exécuté, c'était Anglais, ou ni l'autre pour aller par côté les îles. Fairbanks, qui par côté m'a dit en anglais, qui en Argentine, qui envoyait à la cité Yoga, etc., et par bombarder la vie, etc. Donc, les voilà du colonialisme, qui nous les nous parlait, qui nous a dit, bon, colonialisme a passé, l'esclavage a passé, mais il y a des impacts. Il a fait que Poutine est allé là, au Mali, au Niger, etc., etc., on va sentir que des marins ont secoué la terre, que nous ne pouvons pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut expliquer la situation internationale, géopolitique, géostratégique, car oui, même si nous n'avons pas des grands mots français, mais pour nous, c'est à travers la grâce d'expliquer en misant ici. Tout à fait. Alors, en fait, pour nous parler, si nous voulons parler du congrès, nous sommes partis à son explication qui est très importante, c'est que faut que la population comprenne et sache que c'est le grand sommet pour Martinique qui était à la demande dit fait un congrès pour nous discuter des différents points qui nous déjà proposé que nous déjà mettez qui a fait mal j'ai mettre les noter le second mois de campagne électorale 2021. Effectivement, il y a des points qui étaient importants pour nous tenir des responsabilités à assurer, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur un certain nombre de points. Et donc, nous demander qu'il tenait un congrès. Mais en fait, ça, la majorité qui est en place télé, c'est en fait, c'est de faire aller dans une dimension qui est en l'autre, c'est-à-dire qu'il télé vraiment, aller faire des affaires sans consulter la population. Et il était déjà décidé que c'est qu'à travers cette patrie en CTAP, qu'il était prend des délibérations et qu'à travers cette TAP-là, il y a été porté des revendications auprès du gouvernement. On demandait que ça n'a pas été suffisant et ça n'a pas été suffisamment démocratique. Il faut que toutes les parties prenantes soient présentes pour porter des résolutions et c'est à travers le congrès que nous avons fait ces résolutions-là. Effectivement, cette TAP-là, il y a été mis en place là. Et couler, c'était comme le fait qu'on faisait couler. Donc en fait, il était obligé de dire à son, ça nous demandait, c'est-à-dire de mettre en place un congrès, et c'est ça qui avait fait. Effectivement, en 2022, nous commençons à réfléchir, et effectivement, il dit, nous mettons à un groupe grand assemblé, et pas seulement grand assemblé, puisque, comme on a dit, non seulement les élus, mais surtout les partis politiques, ils ont réfléchi
à tous les différents points pour nous porter pour congrégat là. Mais ça nous constater, c'est qu'effectivement, la IOMT, ces commissions ad hoc là en place, ces commissions, c'est M. Daniel Marissen, qui était donc chef de file, c'est élu Gansambéa, qui était nommé pour assister à ces différents commissions là. Effectivement, il était mis, réuni ça à la marge, M. Louis Moutrin, qui était aussi qui a participé à l'ancienneté, il a été fait le forcing pour te trouver quoi là, puisque par exemple moi monté à sous insistance fait décidé de sortir et quitter place là pour ITP participer, donc à changer ça. Et effectivement il y a une commission à l'heure qui fait Daniel Marissent et puis moi concorde t'es qu'à auditionner qui c'est des entreprises, qui c'est des particuliers, qui c'est des personnalités. Effectivement, ils font un travail conséquent, mais il faut que nous disions, et c'est ça Daniel Marie-Saint-Éc a rapporté nous régulièrement, c'est que ces mon qui étaient de la majorité n'ont pas été quand même intéressés à ces travaux qui ont été faits, et souvent, ils étaient quand même trouvés qui ont mené, et puis, Mokokon, par exemple, c'est audition, hein, c'est mon nom. Et souvent, il y a des cas arrivés, soit en retard, soit il n'y a pas de cas arrivés. Mais tant bien que mal, il y a eu fait un certain nombre d'auditions qui étaient normalement pour porter à dans ces séances de travail congrès. Effectivement, nous tiennons deux séances, mais ceci, mais il n'est pas arrivé à bout. Et puis, nous attendons que, effectivement, président conseil exécutif là, qui mettait quoi à ce calendrier, monsieur le président Macron, Zak a décidé que l'IKEA menait des revendications, des propositions, alors que le travail n'a pas été fini. Et c'est ça qui fait que le grand centre pour Martinique, et puis c'est élu à qui a, c'est parti à qui a composé là, donc on a rappelé que Adam Ini, bien sûr, le mouvement indépendantiste martiniquais, Ini le Parti communiste, Ini le CNCP, Ini le Parima, Ini également la Montaigne, la Relève, et nous avons également des personnalités maires comme M. Eugène Larché, M. Couturier Gilbert, M. Pamphile, et puis M. José Nyon. Alors, toutes ces montagnes à la réunion, Koyo, et puis, en fait, nous, alors, bien sûr, il était né aussi, monsieur de Martinique Écologie, mais pour moi, à la limite, pas passer même non mais parce que pour moi, c'est déjà une page tournée. Pour moi, ils allaient quand des Koyo étaient auto-exclus, Koyo lui-même. Effectivement, donc, après un certain nombre de séances de travail, groupe Tala a décidé, alors le Conseil de Martinique a décidé d'y faire une déclaration solennelle, et déclaration Tala faite le 27 juillet 2023. Et maintenant, permettre comme moi, souligner Hervé, que moi, lis déclaration Tala. Donc, alors, déclaration qu'a dit très exactement, alors, ok, désolé, on y a les portables moyens. Alors, considérant que le congrès des élus de Martinique se réunit depuis juillet 2022 afin d'apporter une réponse concertée des maires, des parlementaires, des élus de la collectivité territoriale de Martinique aux problématiques de la Martinique et des Martiniquais. Effectivement, le congrès a montré qu'il y a vraiment un espace démocratique puisque aucun y toutes ces mounas qui sont élus par la population martiniquaise, effectivement, il y a ces conseillers territoriaux là, qui sont à l'Assemblée, il y a ces conseillers exécutifs là, il y a ces différents maires, et il y a ces parlementaires là, ces sénateurs, et puis ces quatre députés. Considérons que la première séquence du congrès des élus a permis d'écouter la population, les représentants des corps socioprofessionnels, c'est ça notre capitalia, et les acteurs publics dans le cadre d'un diagnostic territorial partagé. Considérons que la seconde séquence du congrès des élus a permis de formuler préconisations
qui ont fait ressortir 59 projets et 35 mesures en direction du gouvernement, dont une partie seulement a été actée par l'État lors du comité interministériel des Outre-mer, SIOM, du 18 juillet 2023. Considérant que cette nouvelle séquence du Congrès acte l'ouverture du débat et une réforme institutionnelle, voire statutaire, afin d'inscrire la Martinique dans le calendrier annoncé par le président de la République le 7 septembre 2022, d'une réforme de la Constitution, considérant que le SIOM confirme l'écoute du gouvernement à la démarche des élus martiniquais et martiniquaises en faveur d'un modèle de développement ancré dans la subsidiarité et dans la différenciation, considérant que le cadre constitutionnel constitutionnel ne répond pas, parce que je suis la constitutionnelle de la Martinique, collectivité de l'an 73, considérant relevant du régime de l'assimilation normative malgré la possibilité limitée d'adaptation de réserve aux élus qu'un pouvoir réglementaire, considérant que le cadre ne répond pas aux besoins de la Martinique engagée dans une même de sa trajectoire de développement dans un contexte d'inégalité structurelle. En fait, tout ce texte-là, pour dire que c'est sur ce texte-là que normalement nous devrions nous rencontrer. Sauf que, sur ce qui s'est passé, c'est que les élus du Grand Sablé pour Martinique, ont considéré que la procédure n'avait pas été respectée. La procédure, normalement, lorsqu'il y a un congrès, le congrès se réunit, le congrès prend des résolutions, et une fois que les résolutions ont été prises, les résolutions sont portées au niveau de la collectivité pour que justement cette collectivité prenne des délibérations, mais à partir des résolutions, il faut qu'il y ait un vote pour qu'il y ait des résolutions de, comment dirais-je? Les mots sont importants. Oui. Une résolution, c'est pas une décision. Non, pas du tout. Une délibération, c'est elle alors, qui est décidée, prise en partie avec tous les élus. Et c'est ce qui donne force de loi. Voilà. Alors, c'est-à-dire que le Congrès se réunit à partir des 59 projets dont je parlais, les 59 projets qui ont été actés au niveau des commissions ad hoc. Et ensuite, une fois que ces résolutions sont prises, eh bien, elles sont ensuite portée par tous les élus, et donc ça donne une force à ces résolutions. Elles sont ensuite, il y a une délibération du conseil, du comité de la collectivité territoriale de Martinique qui vient renforcer ces résolutions. Ces résolutions sont portées auprès du Premier ministre, et c'est à partir de ces résolutions portées au niveau du Premier ministre qu'il y a possibilité que ça puisse s'inscrire dans le calendrier du gouvernement pour que ça puisse soit être présenté en loi, ça puisse être débattu en assemblée, ou encore que ça puisse être tenu, par exemple, au niveau du conseil interministériel. Mais cela veut dire aussi que tout ce qu'on peut demander peut être mis complètement de côté par l'État. Ça veut dire qu'en quelque part, ça nous a fait là, si nous pas travailler en force, nous ne pouvons pas dire que il démocratique, faut que nous battons toute force et puis tout espace démocratique là qui a fait et puis toutes ces EMUA pour nous pépoter. Mais ça qui a passé au niveau de la collectivité territoriale, c'est que le PCEA prend toutes
prérogative, qui c'est à l'Assemblée, qui c'est à le Congrès, et puis quand ils décidaient que qu'a fait en seule voix, c'est-à-dire que directement, à sous ça, à travail là, c'est élu à faire en commission ad hoc, avant même nous rassembler comme nous et que nous prenions des véritables résolutions, eh bien, ils apportaient Adam le ciel. Et ça, c'est ça, nous pas d'accord avec ça. Et puis en plus, il était en plénière qui était pour dérouler quoi à sous deux jours, 27, 28. Et puis, en plénière, 27-28 juillet, qui était pour la collectivité territoriale de Martinique. Et puis, nous attendons qu'effectivement ça transforme quoi. Nous sommes en plénière qui fait, en séance qui fait le 27, et puis que la deuxième journée, qu'elle va transformer quoi en séance du Congrès. En réunion du Congrès. Du alors, véritable bricolage. Voilà, c'est vrai, vraiment, vraiment du véritable bricolage. Donc, nous avons dit comme ça que ça, ce n'est pas en façon de fonctionner, ce n'est pas en façon de dire que nous avons fait un travail qui est conséquent. Et c'est pour cela que nous disons que ça n'a pas mené nos pièces côté, et ça n'a pas qu'à, pour nous, ça n'a pas qu'à considérer, nous pas considérer que nous avons un travail qui peut faire. Fondamentalement, nous avons le fond qui n'est pas fait. Et que nous, c'est pour ça que nous disons que nous n'avons pas gagné, que nous avons boycotté, le congrès. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous n'avons pas aller au congrès, parce que nous n'avons pas participer à la séance congrès-là, que nous n'avons pas travailler, nous n'avons pas continuer de travailler dans le pays. Puisque effectivement, nous n'avons pas travailler dans Martinique, puisque nous faisons une déclaration solennelle dans conférence de presse, et donc tout à l'heure, moi qui lis déclaration, ça m'a lit au départ là, c'est ça, c'est mon monde à la fête où tu dis nous que nous avons engagé comme nous dans en démarche de congrès, mais nous avons constaté que c'est l'éléphant qui a accouché d'une souris, puisque nous constatons qu'à peine, il tenait à peine 23 élus, est-ce qu'on peut considérer que là où il y a 23 élus dans en salle, alors que nous savons que nous sommes 34 mai, nous savons qu'il y a 51 élus à la collectivité territoriale, nous savons que nous sommes 4 députés, nous sommes 2 sénateurs, est-ce que ça peut réduire quoi à en portion congrue de 23 élus qui, et puis à mon cas, 22 élus et puis un dissident, puisque nous constatons qu'il y a des gens qui trouvaient quoi parmi. C'est un star, tu peux faire un star. Voilà. Voilà, alors, moi, la même moi, un document que les militants ont fait circuler, m'a récupéré aussi, l'Assemblée de Corse. L'Assemblée de Corse, on a appelé, m'a fait pour celui-là, collectivité de Corse, rapport, 4e session extraordinaire de 2023, réunion du 4 juillet 2023, rapport de M. le président du Conseil exécutif de Corse. Donc, il y a un plan là, il maintient une production partie 1 pour un statut d'autonomie. A, définition d'autonomie. B, l'autonomie pour quel objectif? Deuxième partie, un chemin constitutionnel pour l'autonomie, une solution politique globale. Alors, mis ça au président du Conseil des délégués, il fait un rapport, c'est pas un document. Il voulait pas présider, puis ben, la bâtir en congrès. Et il a dit que le présent rapport s'inscrit dans le moment charnière du processus. Qui s'est ouvert le 16 mars 2022, au moment où la Corse a vu des événements suite à l'assassinat sauvage à Mille Corsical d'Ivan Colonna, la prison de Gérard Darmanin dans l'île, etc. Malgré les difficultés et les retards, le processus a notamment permis de réunir à 4 reprises la délégation des élus de Corse et celle du gouvernement de l'État, conduit par le ministre de l'Intérieur des Outre-mer. La réunion de Beauvau le 24 février 2023 a été marquée par la présidence du président de la République, Emmanuel Macron, et a confirmé la perspective d'une révision constitutionnelle incluant la Corse et le besoin de réinscrire la Corse dans un destin méditerranéen, cet objectif permettant de dédramatiser la question institutionnelle, puisque l'autonomie est la règle pour toutes les grandes îles de la Méditerranée. La réunion de Beauvau le 7 juin 2023 a permis de confirmer le calendrier
évoquée par le ministère public qui souhaite ainsi être saisie des propositions de la Corse concernant le statut d'autonomie et la révision constitutionnelle avant son adoption du 14 juillet prochain. À l'état là, il appartient donc à la collectivité de Corse, institution garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse, d'exprimer ses choix en la matière. Conformément aux règles régissant le fonctionnement de nos institutions, le présent rapport du président du Conseil exécutif de Corse vise à introduire le débat devant se tenir lors de la session extraordinaire du 4 juillet 2023. Au terme de ce débat, l'Assemblée de Corse votera une délibération exprimant ses propositions concernant le statut d'autonomie de la Corse. Ben, la clé, tout à fait. Et là, il y a un document qui permet que le monde exprime quoi et que voilà. C'est Elua, vous savez que ça qui fait, c'est Elua dans toute majorité, qui dit ça, c'est toute Elua qui a exprimé en volonté commune. En volonté commune. Et là, nous pas dit ça. Nous pas trouvé comme nous dans cette situation-là. Et c'est ça qui fait que les nous, parce que qui ça qui passait? Parce que quand même, regardez ça qui passait le 28. Quand nous avons constaté. Quand nous avons constaté que, à sous certains points, des travaux que conseil, que ces commissions ad hoc l'a fait, et puis que nous, en tant qu'élus, en tant que conseiller territorial, en tant que conseiller, enfin, en tant que maire, en tant que sénateur ou autre, nous pas prendre des résolutions et qu'ils arrivaient porter en chambre et pour pas faire un compte rendu des choses. Ça veut dire que, au passé, les députés, c'est la population, pour aller directement négocier et puis président de la République. Ça veut dire qu'en quelque part, au cas rusé et puis principaux. Au cas rusé et puis principaux. Mais nous déjà plus ou moins comprendre que c'est on comprend bien comme ça qui était réalisé. Et c'est parti, hein, comme on dit, fait en déclaration. En conférence de presse, et Missa Itekadi, déclaration. Le Grand Assemblée pour Martinique a toujours fondé son action sur une démarche visant à amener le peuple martiniquais à se doter de véritables pouvoirs pour une meilleure gestion de ses affaires, des affaires du pays. C'est ce que nous avons appelé la responsabilité. Or, nous avons trouvé que nous avons une situation aujourd'hui hein, où monsieur le président du conseil exécutif a fait des affaires sans qu'il implique la population dans la prise de responsabilité, dans la démarche de responsabilité. L'expérimentation que nous avons menée durant la mandature d'Alfred Marie-Jeanne de 2015 à 2021 a confirmé le bien fondé de la démarche, même si des difficultés n'ont pas manqué d'apparaître à cause de la nouveauté de l'institution. Et c'est ça que toujours qu'a dit, c'est que la collectivité territoriale de Martinique, c'est en collectivité au cas où si générique, ça veut dire que c'est en fur et à mesure nous mettez en place et au fur et à mesure nous avons éprouvé, nous avons évalué le fonctionnement et nous avons ouais ça qui est bon et ça qui est pas bon et ça qui nous ça, nous pour changer à dedans. Alors, Mantelé fait aussi un petit point à sous la collectivité territoriale de Martinique pour savoir à dans qui champ au cas trouvé, à dans qui partie loi au cas trouvé et Mantelé. Rivini, on laisse ça tout à l'heure. On va continuer à sous les petites déclarations faites. Il y a des cas qui ont oublié non conférence de presse là. Conférence de presse là et document nous produisons, nous créer une clarification nécessaire. Alors on va continuer. Cette expérience a mis à jour avec les questions soulevées par la crise sanitaire. La nécessité de valider de nouvelles évolutions institutionnelles dans le domaine de la santé. Nous savons que la santé, c'est l'état qui mine. Mais il apparaît également la nécessité que cela impose, la nécessité
pour le domaine de l'éducation ainsi que pour la question de l'exploitation. Alors, écrit un petit, mais c'est lui. De l'exploitation de nos ressources marines et la gestion de notre zone économique maritime. C'est ça qu'on va créer ZEE, alors ZEE qui veut dire zone économique exclusive. Et diverses questions qui conditionnent un meilleur développement pour notre pays, comme la maîtrise du foncier, la gestion des cours d'eau, la biodiversité, la question de la fiscalité, comme on dit qu'à l'intérieur, et d'autres. Si nous voulons véritablement avancer sur ces questions, il faut nécessairement réunir le Congrès. Et là encore, nous avons que c'est important que le Congrès réunisse, que moi, vraiment, c'est pour nous comprendre que ça, monsieur, le chim, il fait passer, c'est que nous, pas les Congrès, nous avons fait derrière. Alors, maintenant, en parole qui était vraiment, qui fait un sourire à dans le Congrès, c'est que monsieur Laguerre dit quand on ne bouge pas, on recule. Quand on ne bouge pas, c'est un mouvement. Alors, je ne sais pas comment les lois de la physique ont fonctionné, mais puis, lorsqu'on ne bouge pas, c'est un mouvement. En tout cas, on sait que ça, le Grand Assemblée pour Martinique a fait, c'est qu'il a proposé à la population d'y avancer, mais pas avancer n'importe quelle manière, pas avancer et puis en bandeau en lésier, et pas non plus avancer, faire pas et puis ça dans en gouffre qui a mené. Alors, on va continuer. Alors, si nous voulons véritablement avancer sur ces questions, il faut nécessairement réunir le Congrès, parce que c'est la démarche la plus démocratique requise lorsque l'on se retrouve devant la nécessité d'un changement institutionnel. Alors, pas qu'à faire des bagailles en bas fait, ou qu'à faire au grand jour pour la population, ça, et puis que, ou qu'à mettre toutes les élus à dents. C'est en ce sens que les élus du Grand Assemblée, au cours de la mandature actuelle, ça veut dire pendant la mandature, ont demandé à deux reprises la réunion du Congrès. La deuxième fois, sous la forme d'une motion, et nous faisons motion à le 25 novembre 2021, dans la perspective d'obtenir un consensus sur la question de la nécessaire évolution des pouvoirs domiciliés. En effet, la procédure dite le Congrès consiste à réunir les 51 membres de l'Assemblée, les 9 membres du Conseil exécutif, les 34 maires, et les quatre députés et les deux sénateurs qui, après travail en commission, débat et échange, transmettent à l'Assemblée de la collectivité territoriale les propositions du Congrès des élus après consultation du Conseil économique et social, économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. C'est ça que nous avons créé le C2C. Les délibérations adoptées par l'Assemblée de la collectivité territoriale sont alors transmises au Premier ministre par le président de l'Assemblée. Il appartient au gouvernement de prendre la décision de consulter les électrices et les électeurs de Martinique pour connaître leur avis. Alors, le cas bien dur, transmise au Premier ministre par le président de l'Assemblée. Et nous avons constaté que, effectivement, ça n'a pas procédure là qui suit là, puisque c'est directement le président du conseil exécutif qui a porté les travaux qui fait en commission ad hoc par ces élus-là, qui a porté au niveau du gouvernement. Donc, c'est déjà en premier, on l'a dit, en premier attaque en les procédures et organisation congrès. Tout ça pour continuer, il appartient au gouvernement de prendre la décision de consulter les électeurs et les électrices martiniquais pour connaître leur avis. Donc bien sûr, une fois
que le président de l'Assemblée a vrayé ses documents au niveau de ses résolutions, ses délibérations, hein, c'est-à-dire ça nous l'est, ça nous en vivait. Donc, tout à l'heure, nous avons Hervé lu un rapport qui était collectivité des consens, et bien, travail ça pour qu'on fait de manière correcte, pour qu'on fait produit un document, un rapport, et c'est le rapport qui permet que le gouvernement, l'État français, interroge les Martiniquais, puisque ça inscrit à la Constitution, ça veut dire que là, il y a des résolutions qui sont faites par le Congrès, et que l'État, effectivement, qui a pris en considération, eh bien, il y a demandé que ça passe par en consultation la population. Mais là, nous pas attendu dans démarche de la pièce et puis majoritaire qui est en place là. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est ça qui a motivé position nous, et c'est la raison pour laquelle nous avons exprimé notre accord sur la proposition de congrès faite par le président du conseil exécutif en avril 2002 et que nous avons décidé de participer aux travaux préparatoires par notre présence dans toutes les commissions à partir de juillet 2022. Mais aujourd'hui, et ça, là nous fait déclaration d'art faite il met la presse le 18 juillet 2023, déclaration d'Ala. Nous fait, eh bien, nous constater que, à partir des data, c'est plus enfoncé que majorité actuelle a enfoncé quoi, et nous avons constaté que c'est, il y a allé de mal en pis. Donc, mais aujourd'hui, alors, on va continuer, on va dire que c'est la raison pour laquelle nous, effectivement, décidé d'y travailler jusqu'à aujourd'hui en disant ces commissions congrès. Mais aujourd'hui, plus d'un an après les décisions de mettre en œuvre la démarche du congrès, lorsque nous analysons les travaux en cours, nous sommes dans l'obligation morale de dénoncer la stratégie adoptée par le président du conseil exécutif. En effet, au lieu de la suite logique, c'est-à-dire que nous restons à la procédure là, que devrait connaître le Congrès, la place est faite à des résolutions votées par l'Assemblée de Martinique qui proviennent des premiers travaux réalisés par la Commission du Congrès, notamment la question du chlordécone, de l'autonomie alimentaire, de la reconnaissance de la langue créole. Effectivement, c'est ça que nous constatons que à Dampénien, c'est ce travail-là, au lieu que normalement le Congrès a fait et puis voté ces résolutions, hein, puisqu'il y a un travail qui est fait, et bien non, nous avons pu retrouver comme nous, 51 élus, et puis nous n'avons pas voté travaux le Congrès. Normalement, ce n'est pas ça que vous faites. Si nous partageons de nombreux aspects du contenu de ces résolutions qui correspondent au combat que nous menons et que nous avons toujours mené, nous émettons les plus grandes réserves sur cette stratégie qui revient à s'en remettre à une majorité limitée au cadre de la collective de l'Assemblée territoriale sur des décisions qui engagent durablement notre pays et exigeraient le débat démocratique le plus large et le plus pluriel. C'est pourquoi il est de notre devoir aujourd'hui de mettre en garde contre les décisions unilatérales. Et on a bien précisé que unilatéral, c'est effectivement porté par le président du conseil exécutif qui souffrirait d'une absence d'expression plurielle et de légitimité démocratique, de mettre en garde le président du conseil exécutif contre toute proposition portée au SIOM. Donc c'est ça nous fait qu'Armantega lit Adam. Premier texte là, Montecalia, comité interministériel des Outre-mer, au nom de la Martinique. Ça veut dire que ces éléments là, ils sortent du travail, c'est élus du congrès, donc toute
toutes ces élus-là. Et puis, capoter au niveau de la CTM, et puis nous, à 51, et des fois, même, il n'y a même pas toujours présent, donc à moins de 51, quelquefois, et puis, et puis, qui s'est passé, eh bien, c'est l'Italie en dimension qui a porté, qui portait par toute la Martinique. Et c'est ça que nous avons dénoncé à dans. Déclaration solennelle Tala. C'est pourquoi il est de notre devoir aujourd'hui de mettre en garde contre les décisions unilatérales qui souffriraient d'une absence d'expression plurielle et de légitimité démocratique. De mettre en garde le président du Conseil exécutif contre toute proposition portée au Sion au nom de la Martinique, sans débat contradictoire et validation démocratique. Et d'exiger que se poursuive dans les formes et la démarche du Congrès, car c'est au peuple martiniquais qu'il revient de se prononcer en fin de compte sur toute évolution institutionnelle. Notre combat pour une Martinique responsable se poursuit, et c'est ça mon qui a dit que nous allons continuer de travailler quand même, nous pas qu'à nous décider de ne pas travailler n'importe comment, de ne pas travailler dans le désordre, il y a en procédure, nous avons dit que la procédure l'a appliquée. Se poursuit encore avec plus de détermination au moment où tant de maux nous assaillent, comme la pauvreté, la misère sociale d'une partie encore plus importante de notre population, puisque nous avons constaté que les ménages de plus en plus qui tombent dans la précarité. La désocialisation d'une partie de notre jeunesse avec une montée de plus en plus grande de la violence. L'absence d'une véritable réponse à la mesure du scandale du chlordécone. Mon café en petit clin d'œil, effectivement, à des camarades jeunes, et d'ailleurs, c'est peut-être en dérision que mon CPI Hervé Macafé, parce que on sait qu'il y a des camarades qui impliquaient à sous, notamment les Touyola, pour informer la population, informer des scandales du colon déconné, et puis pour nous lutter contre les affaires dénoncées, les affaires non lues qui a pointé. Alors, on va continuer, puis on va finir à son dernier point de déclaration. Il dit, mais non, mais c'est audité à comprendre que c'est très important que nous sachions côté nous parler et puis qui ça nous a fait. D'accord. Donc, alors, l'absence d'un égal accès aux soins pour tous et la dégradation de l'offre de nos hôpitaux, ça aussi, c'est nous connaître le désert médical et ça, il faut que nous pouvons comme ça. Aussi la zone économique maritime pour que nous protéger et d'autres problématiques que nous commandons que nous prend en compte dans toute résolution nous demander. Ce qui existe, que le peuple martiniquais puisse à terme se doter de pouvoirs nécessaires à la résolution effective de ces questions et problématiques qui a posé quoi tous les jours. Alors, mon père dit qu'il nous a signé, nous ni la Montana Relève, nous ni le CNCP à Bâle, nous ni le Palima, nous ni le PCM, le Parti communiste martiniquais, nous ni les personnalités comme Eugène Lancher, comme Gilbert Couturier, comme Lycée Bonfil, chaque fois, mon père oublie prénom, alors mon père, excusez comme moi. Et puis, Justin Bonfil. Et donc, nous et toutes ces moutas-là qui signaient document pour conférence de presse là, et toute la presse ni. Alors, on passe à si une équipe qui mettait les journaux. En tout cas, RLD est relayé, moi-même qui a relayé, moi savent que Daniel Marissette aussi a relayé. Donc c'est une manière pour tout le monde écouter et puis que tout le monde prend le maximum d'informations possibles à tout ça. Alors maintenant, viré, autocratie qui initiait le PCE à l'été.
Je n'ai pas changé que tout le monde a dit, pas tout le monde, les opposants en particulier ont dit, ah oui, Alfred Marie-Jeanne, c'est un dictateur, Alfred Marie-Jeanne, je n'ai pas jamais, Alfred Marie-Jeanne, en tant que président du conseil exécutif, fini, envahi l'assemblée plénière de la collectivité, président collectivité, président conseil exécutif, là, mais c'est Serge Letchimé qui a fait actuellement. Mais c'est nous pas ni président de l'Assemblée encore. Mais c'est Saliber absent, complètement absent, et complètement aux ordres, et soumis. Et nous trapper, nous n'y en bel exemple qui passait en plénière, au dit président du conseil exécutif la permettre. Il est visible, incolore. Incolore, voilà. Et donc, chaque fois qu'il y a un sujet, on lequel les conseillers. Vous n'avez pas méchant, disons qu'il fait partie du décor. Tout à fait, c'est exactement ça. Et il n'a pas qu'à prendre la parole, à la limite, pour défendre un point de vue. C'est ça libère très souvent. Ça qu'il a fait, c'est qu'il a passé la parole au président du conseil exécutif qui n'a pas participé au débat. Or, ça n'a pas prévu en disant organisation ces plénières là. Et il permet que non seulement il fait ça, c'est ça, ça fait moi rigoler, c'est que à la fin, au début, de manière très sérieuse. M'en permettre comme il dit que d'ailleurs m'a demandé m'a pas même parlé ma président conseil exécutif là pour moi lui il pas ni voix à au débat et donc m'a demandé parce que dans le texte là la loi de juillet qui a du 2011 qui a régi en fait l'organisation collectivité là, eh bien la police qui appartient à président de l'Assemblée. Donc c'est lui qui pour mettre l'ordre en disant Assemblée. Or, on a constaté qu'il n'y a pas qu'à faire. Donc, m'a demandé de virer en reine Assemblée et demander président du conseil exécutif là d'y respecter nous, d'y respecter ses conseillers et ses conseillers territoriaux là. Parce que l'hémicycle là, ce n'est pas le conseil exécutif, c'est les membres de l'Assemblée. Et donc, vraiment de respecter nous, parce que ils permettent de crier Daniel Marie-Saint mentait, lâche. Ils permettent de crier Marie-Hélène Léontaine, qui dit que tu mens. Ils permettent de dire nous, et d'ailleurs, nous avons retrouvé Manier parler d'avant, en chassant le naturel, il revient au galop. Ils disent nous qu'au premier coup de fusil, nous avons serré en balia. Et donc, on a estimé que tout ça, ce n'est pas des paroles qui sont à la hauteur en président du conseil exécutif. Que on ne peut pas représenter nous en plus haut lieu. On a estimé aussi qu'il dit que nous avons fait une route. Mais il a semblé que c'est lui qui a fait, c'est nous qui avons fait la route. Il a fait, c'est nous qui avons fait la route. Et ça semble être très, 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 très mauvais en termes d'image. Donc, a véhiculé, quand président du conseil exécutif qui a véhiculé dans la Martinique. Et m'a demandé que M. Saliber, qu'il sortit du coquille-là, en dedans laquelle il est, M. Lechimilité là. Faut qu'il sorte là-dedans. Faut qu'il sorte là-dedans et qu'il prenne responsabilité. Parce que, en fait, nous n'y pas qu'à rester pour rien qui fait avancer la Martinique. Ça très important. Et il même permet que il m'a rappelé que si il y a une organisation, un calendrier dit que nous pouvons mettre en place, c'est pas à lui de dire nous comment il y a mettre le calendrier en place. Il a permet que il dit que si nous pas venir le 28, nous pas ni besoin venir les autres jours. Mais c'est pas lui nous pas représenter. C'est pas le président du conseil exécutif que nous pas représenter. Nous pas représenter, c'est plus de 40 000 mounans qui votaient par nous. Et donc, je m'a demandé aussi qu'ils respectent ces Martiniquais. Et ça très important que de dire que nous pas ni en président de collectivité du conseil exécutif qui à la hauteur des tâches là et des images là, ils pouvaient véhiculer dans la Martinique.
Ça me télé. Voilà, ouais, c'est ça. Non, ouais, on a toujours qu'à parler sur les principes. Les personnages sont secondaires hein, dans l'histoire. Les principes. On a changé le pour commencer à parler de l'évolution institutionnelle. Il était véritablement en grande ligne conductrice, un axe de réflexion qui les accapare totalement. Par exemple, on parlait déjà de l'armature générale de l'évolution institutionnelle. Ce qui avait comme compétence pour l'État et ce qui avait comme compétence partagée. Tout à fait. Ça allait être base de la communauté. On a dit base, on a dit mission, le consortium, qui de quoi. Il s'agissait de dire voilà les compétences d'attribution de l'État. Ça a pris la début au moins 15 ans en 2003. Il a dit l'État est responsable de la politique étrangère, l'État est responsable de la monnaie, l'État est responsable de l'ordre public, la sécurité, voilà. Les forces armées, etc., la justice. Et les compétences de principe qui étaient partagées par la future collectivité. Mais c'était qui ça? C'était l'aménagement du territoire, le développement économique, le tourisme, l'énergie. Oui. La culture, le patrimoine culturel, le logement, l'environnement, la politique de la mer, jeunesse et sport. Oui. On avait déjà essayé de démontrer qu'on était capable d'y prendre des décisions. C'est pour que là, on va parler de la papa, c'est pour que là, on est là, ça n'a pas même ni besoin de parler d'elle, puisque il y a des rencontres. Le propos était d'avoir parler d'autonomie, c'est qu'on avait été conscient qu'il fallait développer. Géostratégiquement, géopolitiquement, il fallait développer les conceptions, les concepts, les notions de liberté. Tout à fait, tout à fait. Là, on va être là, on va être au niveau. Mais c'est dans le fait, c'est... Et c'est le prime de séparatistes, d'anarchistes, de monde dangereux. Donc, il va mettre un local égale, c'est un peuple. Voilà, c'est ça. Ça. Alors qu'il s'agit là, c'est celui là qui nous dit à la une. Les présidents et puis les présidents des ministres de l'Intérieur. Il va pas tout partout parce que, on va prendre l'exemple de la Polynésie, ni les textes qu'il a, ni les avancées qu'ils ont là. Depuis 1982, la décentralisation. Tout à fait. De faire, etc. Voilà. Mais il y a une série, en fait, c'est en série de. Donc, il dit que nous gagnons en série de points en ce moment, mais nous pas finis. Nous pas fini et c'est là où le mime est importé. Il m'a dit que ça, c'est un travail que nous sommes obligés de vivre et commencer. C'est vivre. Pourquoi vous avez vivre et commencer? Ils ont élaboré. Oui, non. Mais ce travail-là, mon capable, là, c'est au niveau de la population. Voilà, c'est ça. C'est pas faire par consistance, non, parce que consistance, c'est en là. Et souvent, les manques à discuter et puis ces compatriotes-là, qui est beaucoup plus averti qui moins, c'est de dire que nous a mis contenu, nous a mis non. Ben là, c'est que faut, non, ça là, nous virons porter, parce que nous virons porter dans le peuple, parce qu'il y a un long monde qui a fait des dégâts, et puis qui a parlé, qui a si mais des venait, en fait, il y aura passé à côté complètement dit l'essentiel. De ça qui fait que nous rentrons en responsabilité et nous avons traité de tout ça qui est superficiel, de tout ça qui est émotionnel pour régler la population. Et c'est très important de virer à ce socle l'amnien qui c'est Yémo. Il faut que nous virions ça. Et c'est pour ça qu'il faut que nous virions commencer éducation, information, que nous avons fait par les RDM, que nous avons fait. En réunion de fin de mois, que nous avons fait aussi dans ces comités patriotes-là, mais en même temps, il faut que nous touchions la population et disions qu'il ne faut pas faire qu'il y a dedans qui, au moins petit, qu'on dit qu'on démascarie, au moins petit filet, faisceau de lumière, qu'il y a couru en l'air. Et si nous pas qu'à mettre information auprès de bonne population, eh bien, c'est des propos qu'on nous donne en disant plénière là, qui a simé en disant population, ça veut dire que c'est nous qui parlons de faire congrès, c'est nous qui a couillonné le peuple là, alors que nous savons pertinemment que c'est nous qui avons fait, ça qui a fait, c'est que nous avons travaillé pour servir le peuple. Et nous avons ça simplement, on a pas un exemple, il y a un rapport. Il y a un rapport, je vais prendre deux exemples.
Un premier exemple, c'est à son rapport où la ville de Fort-de-France qui a demandé la collectivité territoriale de Martinique d'y prendre en charge l'entretien des routes. Vous pouvez imaginer comme ça? L'entretien des routes de la ville. Chef-lieu. Or, il y a semblant qu'il y a une taxe. Il y a une taxe qui a payé, une taxe que nous avons payé, avec les entreprises d'ailleurs qui ont payé, qui a tombé dans le fil, et qui a permis que ça a financé les communes pour l'entretien des routes. Alors, si vous avez commencé à servir comme PO, qui s'est passé? Ça veut dire que il y a une espèce de faisceau financier, faisceau budgétaire que nous avons formulé, qui a sorti directement de la collectivité et puis qui a allé plein financement la ville de Fort-de-France, parce que la ville de Fort-de-France n'est pas assurée d'être. Donc ça veut dire aussi, en quelque part, en termes d'équité, ces 33 autres communes aussi en droit de demander que vous occupez de la route. Il va réserver trop compétences. Oh, voilà. En fait, c'est un gâteau avec le développement de la criminalité en col blanc. Qui s'est développé tout à fait là. Oui. C'est corruption. Voilà. Trop compétences. Caisse noire, blanchiment, manipulation des comptes, manipulation des médias. Nous n'y avons pas de manipulation des médias, puisque nous constatons que Adam, en notre plénière, nous avons voté que pour chaque média, nous avons un financement pour relayer, soi-disant, les actions de la collectivité. Mais à qui ça a servi normalement? Eh bien, à faire une espèce de propagande. La majorité en place. Et nous avons vu que monsieur le président du conseil exécutif qui a carrément envahi tout ménage et puis Fidji en disant dans ces télé. Alors, le journaliste a dit encore la cité, les mœurs du milieu ont contaminé le bon milieu où sont occupés les dirigeants. Alors, on va parler d'ailleurs de recours compétences. Donc, vraiment, une belle illustration. Le conseil régional, sous la mandature de la ville Mayenne, a demandé la gestion, la compétence de l'aéroport et du port. Oui. D'une bonne dizaine d'années, pour rafraîchir la mémoire des Martiniquais, parce que les Martiniquais, comme on finit d'hier, ils ont été cochonnés, puis mal l'honnêteté en tête des Martiniquais qui défait des bons bails, la criminalité. Comment on dit les mœurs du milieu, le milieu mafia, qui a contaminé le bon milieu, c'est-à-dire les bons dirigeants. C'est pour ça qu'on va gagner les bons à la direction de certaines institutions, de certaines administrations. Tout à fait. Il y a des scandales minimaliques. Oui, et on parle de Martinique. Il y a des scandales minimaliques. C'est normal que le gouvernement a dit maintenant, les Martiniques, il y a des vagabonds dans l'eau, dans la gestion de l'eau, la gestion de certaines administrations, de certains organismes. Tout à fait. Alors, si la corruption va rouler, pas de vidéo sur elle. Alors, on va avoir un deuxième exemple. Toujours dans le fait de servir les copains. M'ancien président du campus caribéen des arts, sous la mandature d'Alfred Marie-Jean. Et nous t'ai mis en place un projet, puisque faut que pour une école d'art, faut que l'école là ni ça va créer en galerie école. Ça va permettre, Galerie Ecola, ça va permettre que étudiants qui expérimenté en amont un travail dans le domaine de l'art. Alors, ça peut être de la scénographie, ça veut dire mettre en place, comment on va agencer en galerie, comment on va agencer des tableaux pour une exposition. Mais ça peut être du commissariat, ça peut être de l'évaluation budgétaire, ça peut être de la technique. Et donc, ça peut être aussi de l'accueil. Donc ça c'est des travails,
c'est des conseils, on peut dire, c'est des mises en pratique que j'ai n'en peut faire à dans en galerie école. Et donc, nous t'es dit que au niveau la collectivité territoriale de Martinique, parce que en même temps, on a fait partie de la commission infrastructure qui était à l'époque présidée par monsieur Mboklem, c'est Cléon Georges. D'ailleurs, c'est effectivement, il prend en l'autre chemin, mais c'est quand même des mots en monde, on y respecte bien parce que nous faisons un travail collaboratif qui était important. Il était capable souvent de la dette grise. Ça veut dire qu'il était ni un patrimoine très important au niveau de la collectivité que nous étions pour rénover. Effectivement, dans dimension là, dans démarche là, pour nous pas trouver comme nous aller dépenser plus l'argent, nous dit que nous avons travaillé alentour en bâtiment qui était qui fait partie du patrimoine de la collectivité et nous avons mis galerie école Tala à dans bâtiment Tala et ça a évité que nous soit construit ou soit parce que en plus il y a un problème de terrain parce qu'il faut peut-être trouver un terrain qui était suffisamment proche dit l'école et en même temps qui était qu'à trouver quoi dans un environnement dit qui qu'à permettre l'expression artistique et nous t'es trouvé au cœur de la ville de Fort-de-France. C'est vrai que nous pas vite arrivé à bout projet là nous t'es commencé mais comment on peut dire ça c'est que nous perdit et nous et normalement c'est en l'autre direction qui prend. Eh bien, qui ça manque à apprendre, c'est que yo mette projet à le côté, alors que projet a normalement t'es à rentré à dans calendrier, à dans budget, t'es à budgété, à dans ça où t'es appuyé plan de convergence qui t'est prévu. Eh bien, m'apprendre que yo quitté projet à tomber et puis que yo pas aller chercher en l'autre possibilité, pourquoi pas, chaque monde en est politique, mais on peut apprendre que c'est dans la tour lumina que vous les mettez galerie, école là. Non seulement vous avez la tour lumina, mais vous avez tiré, déjà, premièrement, vous avez tiré un jeune artiste qui était là. Donc, il semblerait que tu prends accord et puis jeune artiste là, puis tu es parti, un monde qui est venu louer, ou un organisme qui est venu louer local là. Et puis, tu as mis dans la tour lumina 11 000 euros de loyer par mois. Je n'ai pas même metté ces charges-là. 11 000 euros de charges locatives par an. 11 000 euros de loyer par mois. Alors, à ce moment-là, regardez combien l'argent ça a fait. Ça a fait pratiquement 112 000 euros, si ce n'est plus, par an. Et là encore, c'est pour servir les compatriotes trinidadiens qui n'y affaire. En disant la tour lumina Sophie. Donc là encore, ça fait qu'à dire, mis encore en note point. Ça veut dire que ça y a fait, c'est que y a servi les fonds de la collectivité territoriale pour inonder comme Adio dit des propres budgets que nous t'avons utilisé pour l'autre bagage. Alors qu'il n'y a des bâtiments, il n'y a des possibilités d'y faire différemment pour nous mettre en gestion correcte, en gestion rationnelle. Eh bien non, eh bien nous casser les petits copains et puis nous créer appris. C'est comme ça ça fonctionne. Pas pour pas non plus. Alors, ben, pourquoi ouais, parce que nous avons visité nos pays là, pour aller des états de la Caraïbe là, on va pas la Caraïbe, mais c'est même pas la négative, les mœurs du milieu, les mœurs. Voilà, tout à fait. Mipes,
la mafia, ben, les mœurs du milieu ont contaminé les bons milieux. Le bon milieu martinique est des ingénieurs, des mamans qui peuvent diriger. C'est une bonne esprit. Mais les mœurs du milieu, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire le blanchiment, qu'est-ce qu'on rentre dans ces mondes, ces mondes-là, ils vont devenir irrécupérables. Tout à fait. Bon, 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 HPIA. Voilà, c'est ça. Qui a fait toute étude, qui a fait tout apprentissage qu'il faut. Mais là où il vient dans le milieu, où on dit les bails qui a griffé les prédateurs, on va dire les prédateurs, parce que je dis, nous avons l'air de quoi? Nous avons l'air de ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, on voit bien ça, le numérique, on voit bien ça, l'intelligence artificielle. Tout à fait. Quand on vient de bonjour, il faut qu'on fasse très attention à l'évolution du progrès technique. Mais ça qu'a fait l'informatique, puis le réseau, qui a potiré aux prédateurs des outils d'une efficacité qu'on ne peut pas imaginer. Puisqu'on va parler de la tour Lumina. La tour Lumina. Est-il l'argent qui va passer dans sa voie, là l'argent qui tient ça la bombe, c'est les impôts, c'est le bureau des impôts, c'est la Bercy qui va arriver, pas le côté qui va arriver. Et qui a fait le jour qui joue, pourquoi on prend le boulot à passer, petit cabac, petit boulot, petit boulot, on va payer. Ça, on ne va pas dire quoi. Mais en fait, quoi dit, mais après 20 ans, 25 ans, il est à payer. Tout ça, on va faire. Tout ça, on va attendre. Et puis, c'est corruption, tout ça, on va attendre. Et détournement de fonds publics. Tout, il y a qui sont en train de nous battre. Qui boit nous? Et puis, c'est surtout. Qui boit nous? Qui m'a dit, qui vient. C'est un gros problème, d'autant que nous peut dire que, en quelque part, nous avons fait des fois le jeu même de l'État français. Parce que l'air où décider d'y soit rénové en local, en immeuble, ça c'est pour pas travailler à sous, ça n'est pas créer de l'investissement. C'est l'investissement, ça partie à sous un budget d'investissement. Et ça veut dire que là, on a rénové, on a mis des professionnels, des entreprises en travail. Donc, on a fait fonctionner l'économie martinique. Mais là, où aller louer, on mettait 11 000 euros par an en prestataire, là, c'est du fonctionnement et c'est du service. Et là, même si on peut dire que l'économie est en action économique, mais action qu'a faite auprès des sakizanis, au lieu que nous faisons auprès de ces entreprises-là, nous n'y a, qui justement qui a boosté, et c'est eux qui a fait Martinique vivre. Et c'est là pour nous agir. Eh bien non, nous allons continuer, servir qu'on paye nous, et puis la population. Nous pouvons aller regarder, hein. Nous pouvons penser que nous pouvons interroger des Martiniquais, des artisans, des entreprises, et ils ont dit, comment ils n'ont pas souffert toujours. Parce que, actuellement, nous ne pouvons pas avoir pièce grand chantier, ni petit chantier qui a émané de la collectivité territoriale. C'est des chantiers, des fois, qui étaient là, engagé par l'ancienne mandature qui a continué. Et puis, il y a des petits chantiers qui ont bien fléché à sous comme radio qui a commencé. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons un réel ballon qui parti en disant que y a pour que nous sommes au contraire. Nous avons l'impression que il n'est pas capable de pas bouger, qui a reculé. Nous avons vraiment que ce n'est pas derrière, qui a allé, qui a bougé, mais dans le mauvais sens. Voilà. Très bien, nous avons appelé nous à la magazine La Parole au Peuple, qui est aujourd'hui à Simon Manuel Akem-Kerjoulou, élu du Grand Assemblée à la CTM, collectivité territoriale de la Martinique, et qui est également membre du Comité national du BIB, élu. Manuel Akem, donc nous faisons un large résumé, point de vue, un large regard sur les questions institutionnelles qu'il a posées, nous un peu manière les procédures qu'il a allé en manière tout peut-être, hein, si vous voulez
exprimer ça comme ça, puisque le président a dit une quinzaine d'années, il m'a dit les choses bien claires, qu'on les territoires ont fait, qu'on la cause, qu'on les canards ont fait, et ça n'est qu'à ça, un processus qui était clair, net, limpide, visible. Visible. Et je dis, nous voyons que nous mettons à demain, on met à la fin de somme de qui ça. Comité interministériel et ministère, on va diriger là. Donc en fait, c'est la même évolution institutionnelle. Donc, qu'on déjà dit, on va dire en conclusion, puisque la conclusion, ça va être provisoire. Mais nous croyons qu'effectivement, la mal barre, comme on dit français, on est mal barré, ou bien c'est qu'ils ont pas reprendre les mots français, ou bien peuple a engouti. Alors, le problème là, c'est que l'État français mettait le sion. Mais ce n'est pas calendrier l'État français qui pour. Qui la base de. Voilà, qui pour effectivement mener calendrier nous. Nous, nous avons un travail à faire, il faut qu'on le fasse correctement pour que. Et d'ailleurs, ouais. C'est lui seulement qui trouvait que satisfait de ça qui sortit du sion. C'est lui seulement. Et puis, alors, il y a un contre-dû, puisque du sion, on dit, sion d'un qui le voit. Alors, justement, le problème, voilà, c'est ça. Je pense ça, on dit le mot ça. Oui, le document canadien, là, on va parler. Tout à fait. Dans l'île. Voilà. En fait, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes basés comme nous, à sous. Ça, alors que nous, ça, l'État français qui a dit et qui a fait. Et puis, nous ne sommes pas contentés comme nous. Alors, yo, qui a contenté quand yo dit ça. Et effectivement, ça, oui, c'est du bricolage. Non seulement c'est du bricolage, non seulement ça, mais, ou qu'a vendu corps, dit, trapper des bagailles, et puis, qui dit après que, mais, qu'il y a des bagailles, qu'on peut pas nier, alors que, problème, c'est pas ça. Problème, c'est que nous avons un travail à faire pour payer. Nous avons des exigences bas payer. Et normalement, il faut que nous portions ces exigences-là. Et il faut que nous portions au plus dans le. Et puis, en grande largeur. Ça veut dire qu'en grande largeur démocratique. Ça veut dire que nous, tout là, pour être d'accord en les ça. Des fois, on a regardé. Il y a des sujets qui sont importants, et puis c'est mon enfant qui a resté des temps qui a parlé, surtout le président du conseil exécutif qui a phagocyté tout le temps. Et là, ça a été un bon bagage pour nous faire, c'est de misérer le nombre de temps qu'il a pris en les temps de l'Assemblée. Ça est important. Parce qu'il a rallongé l'Assemblée pour des choses qui, quelquefois, plus de la propagande bacoy ou bien de la. Des insultes, alors qu'il n'a pas mis pièce fondue, pas mis pièce creux. C'est qu'il a dit il y a quelques fois, c'est des portes déjà ouvertes qu'il a défoncé. Et donc, il a inventé quoi? Il a dit des avancées, à sous des bagailles, à sous. Mais non, mais problème-là, je n'ai pas dit que j'ai des avancées, à sous un travail qui fait en commission. Un travail qui n'est pas validé par le Congrès. Un travail qui, une fois le Congrès a fait, un Congrès a validé, nous a porté au niveau de la collectivité territoriale. Ici, il faut que nous prenions des délibérations et ensuite nous a porté au niveau le président de l'Assemblée, qui a porté au niveau du Premier ministre. Et pièce démarche n'a pas faite, il ne faut pas virer devant moi parce que voilà, l'ancien, et puis on dit qu'on content parce qu'il y a un anti-zizi. Non, eh bien, faut pas nous dire peuple que c'est comme ça nous pas travailler. Faut nous montrer peuple que nous, yo mettez nous là, c'est pour nous travailler correctement, pour que nous faisons un travail fondamental pour avancer pays et que nous venions ni plus responsabilité. C'est très important. Voilà, donc ma première boulot, nous pédions encore deux paquets, mais nous n'avons pas celui de notre sujet soulevé, puisque. Les choses sont claires, hein, si vous voyez copier ça la Poste a fait, ni ça la Nouvelle-Calédonie a fait, ni ça les Canada a fait, ni ça la Guyane. La Guyane est venue là, la Guyane est arrivée dans le processus. Quasiment de détermination. Oui, bien la clé. Et nous ne pouvons pas dire faire vite.
c'est la progressivité où tiennent compte le transfert des compétences, des moyens financiers, ça ne s'en va pas qu'à faire du jour non plus. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que il y a des gens qui savent nous perdre temps. Il y a des gens qui savent nous perdre temps. Et nous perdons temps. Nous perdons l'autant, nous citer des ça. Ça nous trappe en nous peut dire, nous fait en 2015. Ça nous mettait en place en 2015. Regardez depuis qui temps nous te dit oui pour nous te faire. Garde ça nous perd. Et depuis 2003, nous gardons même. Alors, ça a permis aussi rigoler. Et d'ailleurs, je ne parlais pas les dire, mais il faut que moi quand même dire ça. Et le dissident, moi je n'ai pas créé le seul qui s'est auto-exclu. On ne peut pas mettre autant d'intelligence, on ne peut pas dire autant d'intelligence et puis aucun terni et puis moi qui dit en trahison comme ça. On ne peut pas faire, on peut pas faire ça. Et effectivement, mon livre en historique de ça qui passait depuis 2003, il parlait de 74, 73, et puis il même fait référence à la déclaration de Bastia. Et mon cas songé, il fait la déclaration de Bastia. Mon cas changé que nous tenions en plénière aussi, était fini ni espèce de mascarade de appel de Fort-de-France. Et il te dit que c'était en pâle copie de la déclaration de Bastia, que l'appel de Fort-de-France était en pâle copie de la déclaration de Bastia. Et puis, je m'en raconte hier, puis je m'en que l'appel de Fort-de-France a une visée plus large. Comment peut-on se dédier autant? Comment peut-on avoir autant d'enseignement, d'instruction, et puis qu'on mette son intelligence au service de la soumission et de la flatterie. C'est encore un sujet philosophique. Tout à l'heure, tu as parlé de philosophie, mais l'intelligence au service du mauvais, ça c'est un vrai problème. Donc, avoir combien découvertes, combien analyses philosophiques, et puis nous avons des fois en utilisation qui négative. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, ça m'a été dit surtout, c'est que de plus en plus, le même métier fait des contributions qui est importante dans la vie martinique. Et nous ni la rue, ça c'est un texte qui pour talent, c'est des textes socles pour moi. Ni la rue, il y a différentes déclarations Alfred Marie-Jeanne fait. Il y a également dernier profession de foi Alfred Marie-Jeanne pour les élections. Là aussi, c'est un texte qui peut être socle. Nous avons la déclaration de Bastia. Nous avons des déclarations aussi également d'Alfred Marie-Jeanne au niveau de l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est des textes que nous pouvons, mettre au bout du jour, mettre en population pour alimenter les connaissances population et pas quitter des propos pervertis sens et conscience population. Voilà. Donc, si nous les abordons en autre sujet, ça me l'actualité est brûlante, ce que l'on gagne sur le plan Martinique. Il y a les questions de violence, vous savez. Et nous, la télévision, l'administration a été cachée, croisée, ses fusillades, ses volets, ses saisies. Bon, il y a
question de l'éducation. Nous savons que la rentrée scolaire va venir là très difficile, on va supprimer des postes, les rentrées nickel, les niveaux tutélaires, les mobiles, et tu vas nommer, bien qu'il y ait une situation qui a moins d'analyse sociale, et on va voir dans les académies à 10 000, 15 000 km de Bogayo, pour les questions d'éducation, pour les questions de l'encre qui. C'est en bas dernièrement, et etc. Donc, c'est vous qui choisissez les questions sur le plan international. Donc, on a les gros problèmes géostratégiques, comme aller la guerre qui est au détail du Niger, et la France Vélé, comme la vie de la Russie, vive, etc. Ou en France même, on est les changements vivants. Notamment un ministre qui est là à l'éducation nationale. Et bon, ça a pris parti. C'est différent avec les Bogaïs parce que on est les mêmes. Quoi. Faut suivre les bêtises en Bouddha parce que c'est en deck. Du côté de l'Orbie, il a écrit les problèmes à l'éducation de laïcité, l'accompagnement des enseignants, etc. En fait, il a fini nommé ambassadeur à l'Europe, au Conseil de l'Europe. On est venu parler du ministre Papidiaï. De républicain là, de parti politique de l'Union, dit qu'il n'y a pas de même pour nommer ambassadeur parce qu'il n'est pas au niveau, etc. etc. Bon, c'est pour montrer que sans compter aux États-Unis, les soucis qui met la nouvelle porte-parole du gouvernement des États-Unis de M. Biden, et sans gêne, mon mari, mon collègue des Martiniques, il est Martinique, d'origine haïtienne. C'est malmené. Depuis parler, on a dit comment ça. Point noir dans l'affaire des micro-étudiants. Donc, au niveau même d'éthique, morale, quand vous y croyez, qui m'a dit, moi-même, je fais mon frère critique aussi. Hein, les récompenses qu'a reçu Zan Palsy aux États-Unis, il y a un Oscar d'honneur sur la base de ses productions cinématographiques. Aux États-Unis. Il y a des bijoux qui font film, qui font etc. Puis mon collègue, l'administration, c'est ouais, ça y est, oui, pour bailler un petit discours, vous faites mon collègue, le prix de l'Assemblée nationale, on va y avoir ça. Bref, il y a une série de bailleurs passés dans la vie quotidienne que nous avons observé, nous avons dit quand même, depuis la déclaration de l'ISL des droits de l'homme le 10 décembre 1948, nous croyons que manière l'espèce humaine, ça va faire la transition, justement la transition énergétique, changement climatique. L'espèce humaine qui a été peut-être coïncidée dans lui-même, puisque blanc va aller où il est. Tout le monde va aller où il va continuer, soit quoi. Oui, il y a perverti, il y a prendre l'esprit qui a devenu un chef de mafia, un chef de détournement de fonds. Puis il y a 46 ans de capitalia, puis il y a un bon bon, le fond bon baï, trois jours après, il y a pourri belle. Alors, ma fille commence par. Donc, le sujet, soit. Oui. Nous passons les pays. Voilà. Alors, vous avez envie. Oui. Oui. Mais nous pouvons faire les flashs. Voilà. Tout à fait. Alors, déjà, ma fille a envie de parler des problèmes de violence. Alors, ma fille a fait une analyse qui est assez. Qui dit différencier du phénomène de violence. Moi, qu'a fait donc effectivement la violence pure, c'est-à-dire exercer en agression qui verbale, qui physique en leur monde et que déjà c'est un mari condamnable. Et puis que au cas impacter mon nom et au cas ou qu'a touché mon nom, ou qu'a affaibli mon nom, ou peut même arriver à tuer mon nom. Et puis, mon qu'a fait un autre type de violence qui aussi règne et qui c'est la violence d'État. Et quelquefois, ou qu'a mis des situations où la violence d'État qu'a viré joindre la violence physique, la violence verbale. Nous, dans un pays où, qui construit à son modèle violent,
Ils construisent nous dans la violence. Et tout combat nous y a fait, c'est effectivement de sortir dans une espèce de modèle agressif, là, modèle de violence là, que nous mettons pour que chaque fois nous parler, nous agir, que nous pas forcément tomber dans le système de violence là. Là, au cas où que ou les des jeunes qui allaient à l'école, qui passaient diplôme, qui les après mettaient connaissance à disposition pays et puis que toute manière ils prenaient tête yo, qui à gauche, qui à droite. Et même là, ils levaient zéro en ciel, ils n'ont pas ni solution. Ils n'ont pas ni solution. Des fois, c'est en tunnel, ils n'ont pas mis des baillots, ils n'ont pas dit, on ne peut pas rester ici, hein? Jambé de l'eau, aller là-bas. Là, ils arrivent là-bas, ils sont confrontés justement à ça, pas déjà connaître là, mais il y en a l'eau, hein? Qui a subi. Plus que ça, pas plus qu'il connaît. Il a battu, il a kidnappé, il a violé, il a fait cette forme que c'est non. Et donc, il a mis effectivement un système qui a agressé la population. Là, nous disons, je vais virer à ce bagage clore des connards. Là, nous disons, en situation comme ça, et puis que nous disons des mounes, qui a goumé pour que yo reconnaître, ça yo fait la population, contamination, empoisonnement à la population, ça c'est en forme de violence. On va même admettre que c'est vous qui a fait, ça c'est en forme de violence. Les ouni des ou commandé un certain nombre de responsabilités qui domiciliées. Qui domicilié en pays a, ou qui a dit non. Et puis, premier bagaille ou pas fait, depuis ou ni anti-zone, que ou les conserver et que ou qui a senti que y menacé, ou qui a fait rentrer le GIGN, ou qui a fait rentrer la police, ou qui a fait rentrer des bâtons pour Martinique, Tchekou, ça c'est en forme de violence. Moi, pas qu'à. Je ne peux pas dédouaner des jeunes qui ont dévié, non. Parce que il y a des parents qui ont goumé et puis ils sont à l'aise et puis ils ont allé voler les gens, ils ont mis les gens, ils ont mis les gens. Je ne peux pas dédouaner. Ils ont effectivement ni à virer tout en l'arrêt. Mais en quelque part, nous sommes en situation, on dit dans un pays qui est explosif, justement, parce que nous avons des responsabilités que nous avons demandées et que nous ne pouvons pas mettre en place bah, pour nous. Et l'éducation pas en main nous. Nous avons tapé quelques brides, mais l'éducation pas en main nous. Là, nous avons regardé ces manuels scolaires-là. Combien a dans ces manuels scolaires-là, nous avons des références dit propres pour nous. Nous pouvons compter. Nous pouvons apprendre l'histoire de toutes les nations, mais nous ne pouvons pas apprendre propre histoire. Tout à l'heure, on dit oui que on ne peut pas parler de l'Afrique et puis on ne peut pas crier vive la Russie. On a changé ça, on dit ça tout à l'heure. En septembre 70, qui ça a matinité de Gadi? En septembre 1870, vive la Russie. Vive la Russie. Oui, drôle de coïncidence, hein. Drôle de coïncidence, Poutine, c'est toujours même colonisateur. C'est toujours même colonisateur hein, de l'autre côté de la Méditerranée. Pas bah, nous c'était l'Atlantique, mais de l'autre côté, c'est même là. On ne demande plus responsabilité, on ne demande plus liberté, on ne demande plus respect. Et on va constater que chaque fois, c'est nous qui ou qu'a dit que on l'est, parce que c'est ça le problème. C'est que on l'est
plus de responsabilité, mais c'est pendant qu'un cadeau d'euros et ils n'ont pas exercé en pression, en violence, que vous ou pas ni suffisamment pour le moment des armes pour combattre. Alors, pas forcément des armes balles et physiques, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas ni suffisamment en disant population, en disant des leaders, nous tenions qu'on a fait majorité qui a conscientisé le peuple là. Nous n'y sommes pas avant l'équipe passée. Mais nous, tout à l'heure, nous avons parlé de M. Ménil. Nous avons parlé de M. Ménil. Donc, il faut que nous n'y plus de monde qui a pensé que nous capables, et chez les élus, surtout quand les élus, que nous capables d'y faire pays nous avancer. Que nous pouvons faire payer, mais que nous pouvons responsabilité nous. Et c'est là. Et là, nous pouvons ça, nous pouvons diminuer l'espèce de violence institutionnelle là qui a fait en l'émoi. Parce que c'est encore plus mauvais. C'est pour moi, c'est l'équipe qui est plus mauvais. Nous pouvons trouver, à travers l'éducation, si nous n'avons les règles de l'éducation, parce que nous n'avons pas les règles de l'éducation, nous n'avons des petits bagages. L'éducation avec un grand E. Donc voilà, oui, tout à fait. L'éducation, ça veut dire que. L'éducation musicale, l'éducation artistique, voilà. L'éducation littéraire, l'éducation. Oui. À l'école. Voilà, c'est tout ça. Et puis, le savoir, la connaissance. La connaissance, voilà. La connaissance, et c'est important. Là où il y a la connaissance, là où on peut comprendre. On peut prendre un simple exemple. Il te dit, il y a un camarade moi, et il dit que chaque fois ça te emmerdé, il a dit, ah oui, espèce de sale mec, retourne chez toi, tu es pas chez toi. Martinique, il a dit ça. Il m'a dit, et moi, mais non, faut pas ou, au contraire, faut qu'on ait les mots et les. La connaissance pour répondre mon nom, pour tuer Louisia, pour tuer Martinique. Et que, actuellement, c'est vous qui a construit Martinique, et puis depuis, dans cette, c'est vous qui construit, et qu'on y a un droit d'y être ici, je dis je. Et si vous pas dit. Il faut grandir. Voilà. Il faut dépasser et montrer mon nom que ça y a dit là, ça y a dit là, pas de sens. Et pas répondre, justement, par en violence. En violence verbale. Il y a une violence verbale en l'air, mais on va expliquer. Et là, Muntala, peut-être qu'il faut comprendre, parce que lui aussi, il ne peut pas connaître l'histoire. Parce que souvent, il ne peut pas dire que l'histoire de la Martinique est confondue avec celle de la France. Oui, c'est vrai. Parce que l'histoire de la Martinique, c'est aussi l'histoire de France. C'est l'histoire des violences de la France. C'est l'histoire de l'agression de la France. Sur la, pas seulement la Martinique, d'autres pays aussi. Par exemple, ces pays d'Afrique. En réalité, ces pays d'Afrique-là aussi nous connaissons. Nous avons ça la France fait à son Haïti. Pourquoi c'est encore plus dramatique. Donc, faut que nous, effectivement, la connaissance, c'est très important que nous ni ça, comme point essentiel, l'éducation. L'éducation, la connaissance, c'est un point essentiel. Et pour nous revenir, tu as parlé du ministre de l'éducation nationale. Non, mais ça m'a lié à ça, il a changé. Mais ça m'a dit. Oui. Ça innomme. Il va faire confiance. Ça m'a dit non. Ça m'a dit non. Parce que vous êtes ministre de l'éducation, il fait ça avec des paix. Oui, il fait des paix. Et puis pour culture li, et puis pour croyance li, et puis pour savoir li, mettez les choses en manière. Maintenant, la culture française et européenne, mais ça y a, il y a un poste ambassadeur. Quand on a beaucoup à écrire, on va dire que non, on va mettre ici, c'est pas au niveau, quand on est écrasé, ça va le ministre censé faire pour l'éducation, etc. On va avoir une lettre signée les républicains. Mais justement, alors, c'est la République qui est en 1936. Mais oui, non, mais faut qu'on dise aussi. Alors là, c'est vraiment, mais c'est justement ça le problème. Mm-hmm. C'est que ministre de l'Éducation, il tient une feuille de route. Il n'a pas mis fait ça, comme ça. Il tient une feuille de route. Sous l'autorité du président de la République. Ah, sous l'autorité du président de la République. C'est, il n'a pas fait, ça a été décidé, fait.
Donc, en fait, c'est, je vais dire, là, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, au contraire, c'est la brindille, la brindille. Parce que lui, c'était carrément un écran qui a scellé toute une démarche de déconstruction de l'éducation nationale. En déconstruction de l'éducation nationale, mais en déconstruction de l'éducation également. De l'éducation. Pourquoi tu sais, c'est mon unique problème qu'on s'est et puis je ne m'en pas qu'à dire que vous pouvez élever un petit moment sans jamais, mais moi, je ne sais pas qu'on s'est élevé, moi. M'en prend peut-être, m'en pas prendre l'eau, en l'eau coup, mais m'en pas coup. M'en pas dit que ça, m'en pas dit que coup bon, c'est pas ça m'en pas dit. Mais là, on va tirer en autorité parentale, et puis après, on va mettre les parents panier de manière, dit gérer, c'est mon maillot, on va dire que c'est pas qui? Et on va dire gérer, c'est mon maillot. Ça, c'est un problème aussi. Pour le moins petit anti-mon maillot, on va avoir un bonbon, et quand il y a un jeune d'en bas, on va dire qu'on va avoir un bonbon, on va avoir pas droit faire sanction. Là, on va effectivement, on va aller de. Là, on va parler des questions raciales, des questions de colonisation. Oui. Là, on va parler de la colonisation anglaise-britannique. Eh bien, 200 ans après, 300 ans après l'abolition de l'esclavage, c'est les Britanniques qui abolissent les poignets. Les poignets. Donc, aujourd'hui, on est un premier ministre anglais, c'est originaire hindou. On est premier ministre, l'Écosse, vous m'envoyez l'Écosse, c'est Cameroun. Il y a un parti, il y a un gouvernement. Le premier ministre de l'Écosse, qui a fait partie du Royaume-Uni, c'est un premier ministre indépendantiste hindou. Ouni. Vice-président. Président de l'Assemblée nationale anglaise. Oui. Au moins, oui, hindou. Parce que donc, il y a un grand. L'intégration vue du côté anglais, oui. Je dis, il presque ici. Bien que nous disons, l'intégration, l'assimilation. Mais vu du côté anglais, je sais dit qu'il y aura plus à admettre. Les gens qui sont responsables mettront dans certains postes de haut niveau. De haut niveau. Bon, en France, l'intégration vue du côté français, on va sentir qu'il y a. C'est une gêne, une frustration, une tourmentée par le fait que celle que je peux mettre en avec ministre, c'est de l'autre. Voilà. Non, alors là, nous dit des exemples. Alors, d'ailleurs, effectivement. Alors, ça, moi, je l'ai dit, c'est que nous dit des exemples. Nous tenons exemple, madame Mantobira, qui cible les pires propos racistes. Hein, il était garde des sceaux. Donc, c'est vrai que la France n'y a un problème et puis la couleur de peau. Alors que. C'est une colonie. Alors que, normalement, c'est un. Au cas où il y a une ancienne colonie, moi, pas ça aussi, il m'a aussi une ancienne colonie, aussi non toujours dans un système de colonisation, parce que pression coloniale l'a toujours. Hein. Donc, ouais, que la France n'a jamais arrêté. Action coloniale, par exemple, les Antilles. On a terminé avec ça. Et au cas où on de ça, par exemple, c'est jeune, mon ami finirait ici l'examen professeur école. Eh bien, tout de suite, faut qu'il parte. Il n'y a pas l'équité en Martinique. Pour qui ça? Alors que je te dis qu'il faut qu'il fait de sorte que. Ou rester au plus près zone familiale, lieu de naissance. Alors, il était jusqu'à parler, parce qu'il était jusqu'à mettre ça, critiquer ça. C'est-à-dire, le travail, pour aller travailler à peu près au niveau de un quart d'heure. Ça veut dire que nous, il va marcher, nous allons faire un quart d'heure là. Alors, pour une heure, ce n'est pas bon. Nous, si nous, on vit, nous, il n'est pas bon, nous. Donc, en fait, c'est toujours une manière pour nous ne pas faire force. Parce que les gens ensemble, nous payons plus fort. Mais si ils dispersent, et il n'y a pas la France réussie, nous, c'est le bibidon.
et tirer toute jeunesse pays. Et là, actuellement, ça y est pas d'où, c'est que, actuellement, pas du mou, que nous, c'est le département le plus vieux. Mais à qui la faute? À qui la faute? C'est nous qui décidons que nous mettions un système au-dessus de toutes ces cadres-là. Alors, actuellement, ça a comme changé, dis-moi, que tout dépôt est mis en poste de direction, faut qu'on est dans l'administration. C'était un blanc qui a venu pour ici, hein? À qui la plupart des gens qui ont suffisamment de diplômes matiniques pour occuper ces postes-là. Donc, alors que là, nous avons fait actuellement Internet qui a bordé tout le bagage, où quelqu'un dit qu'il y a un Martiniquais au Japon, il y a un Martiniquais au Brésil, il y a un Martiniquais tout partout qui a occupé des postes en Afrique, qui a occupé des postes à responsabilité. Pour que, si nous tenions la possibilité de mettre au Martinique, pour que nous ne pouvons pas ni un cadre institutionnel, on va dire, un cadre institutionnel, un cadre statutaire qui permet de nous faire. Parce que la force toujours garder pression coloniale en hein, nous. Et ça, il faut que les Martiniquais conscientisent ça. Et tout ça qui a généré de la violence. Ça a généré de la violence. Donc ça, il ne faut pas nous perdre l'idée là que nous avons un système qui n'a pas qu'à favoriser développement Martinique, développement humain, émancipation Martinique, bien-être Martinique. C'est nous qui pouvons faire. Ce n'est pas d'autres qui font. Ben, parce que chaque fois qu'il fait, il fait en fonction que lui-même il ne paye. Alors que rapport nous, Adam, en espèce d'opposition. C'est des terrains à gagner, des terrains à gagner qu'à nous. Ça veut dire déjà en pensée, nous dit, dis-nous que les ou indépendants, les ou indépendants, ce n'est pas un mauvais bagage. Les ou indépendants, ce n'est pas ou pas séparatiste. Ça ne veut pas dire que l'on est indépendant, pas qu'il parle, et puis la France, pas qu'il parle, et puis personne, pas qu'il dit ferme corps même. Au contraire, ou qu'il y a la possibilité d'ouvrir corps au monde. Ou qu'il peut aller, coopérer et puis zone géographique ou qui est plus proche, donc il peut aller plus loin aussi. Je vais prendre un exemple, je toujours dit ça. Nous c'est des descendants d'Afrique, mais nous c'est aussi des descendants des Asiatiques, des Asiatiques et tout, mais nous pas des pièces relations, je vais dire aériennes et puis un pays d'Afrique. Pouti, alors que nous, je vais dire ça comme ça, nous plus près l'Afrique que nous près l'Occident, l'Europe. Nous obligés, si nous allons dans un pays d'Afrique, nous obligés à aller en France et puis virer descendre. Il y a un problème. Il faut qu'il y ait une volonté de développer ça. Effectivement, il y a une volonté en pays. On nous a parlé de ça en Martinique, il y a une volonté de là. Mais est-ce que volonté, là nous ni volonté, il faut que c'est à 7000 km décision prend à nous. Il y aura pas une décision à nous. Il y a un problème là. Et ça, il faut que nous conscients de ça. Tout le n'est pas facile. Moi, quand je change les mains décider prendre à moi, eh bien, ça va être facile. Hein? Ça va être facile, moi, pas de dire les prendre à moi, je ne vais pas parler de la personne à côté de moi. Mon aide des monde et m'a garder des relations pour nous garder si nous arriver soit collaborer soit faire des échanges et puis on va construire quoi et ben c'est comme ça Martinique pour faire Martinique pas pour paix aller devant Martinique pas pour paix prendre responsabilité donc Martinique pas pour paix pour responsabilité mon cas c'est que c'est si nous mettons intelligence individuelle nous au service de la de l'intelligence collective. Et bien, nous pouvons avancer. Et c'est pour ça que je travaille, je mis engagement politique moi, au niveau du nous. Vous parlez de transport, de déplacer pour nous. Bon, je suis dans le terminal, je suis un carré, je suis un carré, je suis un salarié Martinique. Comment c'est que vous êtes? Vous savez, il y a un enjeu, mais l'enjeu n'est plus un enjeu de questions de transport, mais c'est important dans le pays. Dans le territoire, la question des transports pour pouvoir se déplacer. Mais nous savons que Air Caraïbes, c'est une entreprise privée. Il est comme à la Guadeloupe que dans les questions d'opacité,
de contrôle de la gestion de critiquer le président Marie-Jeanne de gestionnaire, le bon père de famille en termes de gestion, mais l'argent des lois, combien l'argent est passé, combien l'argent, mettre l'argent privé, ça rentre dans des questions du secret en démocratie. La démocratie, tu n'es pas démocrate, hein, tu es un dictateur, etc. Donc ça, c'est l'angle de défense que c'est Mnangagi, plus pas forward là, parce que je sens ou intègre, ou dignité, ou honnête, dans les questions de mettre les gens à la bonne place. Oui. Comment mettre les gens à la bonne place? Ça a créé des problèmes sur le territoire de son pays. Et effectivement, faisant toujours allusion à Yokaïne, la question de transport, ben, la question de secret de l'argent privé dans la vie publique, l'argent privé dans la vie publique, là, déjà, là, il y a un problème, parce que ça a fait le détriment de l'intérêt général. Les passagers, alors, les mondes de la vie publique, qui solution? Alors que soutenir les moyens publics, donc contrôler, puisqu'on va donc déjà parler, augmenter les salaires des pilotes, des stewards et des personnels au sol. Alors ça, on a dit, alors c'est vrai, quand on parle de l'argent privé, le secret, il n'y a pas été important, déjà en préliminaire, on a dit ça, c'est que des gens pas comme l'université là et puis on dit qu'on a mis des coyons en grève. Si on a mis des coyons en grève, dans la plupart des cas, c'est qu'il y a une véritable raison. Il y a une difficulté. Alors il peut être d'origine financière, il peut être d'origine sociale, purement sociale, il peut être d'origine organisationnelle, il peut être aussi, comme on dit, d'origine du contexte environnemental. Et là, on a parlé de l'agent public qui a donc à entrer dans l'agent privé, en construction privée, on a dit comme ça. Eh bien, normalement, tu as parlé le monde du milieu et le monde du bon milieu, ben normalement, l'agent public là, pour sortir du bon milieu, et comme il sortit du bon milieu, ou pour demander compte, ou pour rendre compte des ça au fait, et puis l'agent public là, ça importe. Et en fait, Marie-Jeanne Pateka, avec son conseil exécutif, Pateka démontre dans ça, parce qu'il était mis en contrôle à faire. Et nous qui pas aimé ça. Nous connaissons Adam qui pas aimé ça et d'ailleurs qui cassait, nous pouvons dire, engagement à cause de ça. Parce que pas c'est ça, je ne vais pas aller à la le faire de la politique, le souci de la cité. Voilà, le souci de la cité. Ancien tout à fait. Du terme faire de la politique. Et alors, histoire de secret des financements privés. Normalement, si pas ni soutirer, pas ni voler. Moi, je vais prendre un exemple. Moi, je fais étude de sciences économiques. Gestion de l'entreprise, je fais toute l'école Martinique, je prends un diplôme Université des Antilles. À l'époque, et de la Guyane, actuellement municipale. On ne savait pas créer des comptes de synthèse, ou ni un bilan café. On est en bilan qu'a fait, on est en compte de résultats qu'a produit, on est en bilan social là-bas. Actuellement, il y a juste mis d'autres documents qui sont venus obligatoires. Donc, ça veut dire que si on est en résultat qui soit excédentaire, soit déficitaire, ces institutions, notamment parce qu'il y a une instance, en instance, entreprise là, il n'y a pas payé actuellement CSE, comité social et économique, qui normalement on peut bailler tous ces résultats entreprise là. Donc, c'est maintenant, quand il y a qu'à mettre quoi en grève, c'est parce qu'il y a eu des documents à l'appui. Et il y a ça, on ne va pas dire, il y a des preuves à l'appui. Et on va appuyer quand il y a tort ou à raison, on va pas connaître
point conflit. Mais à tort ou à raison, il y a des documents qui permettent que vous, qui sous lesquels vous pouvez appuyer que vous. Mais, le problème qui c'est que, en cas de grâce aux affaires, le milieu, le moins, le milieu, c'est que vous avez des procédures à appliquer. Et si vous n'avez pas qu'à ruser, comme vous avez parlé tout à l'heure, et puis ces procédures-là, ça veut dire que vous n'avez pas qu'à serrer de l'argent, ou pas qu'on veut faire des écritures fictives, ou pas qu'on fait ces baïtas, qui a serré qu'il y a des sommes qui te permettent, qu'on peut te mettre soit en réinvestissement, soit en intéressement, soit en participation, et puis on pas fait passer soi-disant que c'est à ce désinvestissement qu'on mettait, et puis qu'ils ont peut-être arrivé en l'autre côté, eh bien, ça peut arriver que c'est mon encassé, qu'on passe à l'autre. Donc, il y a quand même une espèce d'opacité allant tout contre l'an. Et il y a, ça m'a dit, qu'il y a des quand il y a des volets, il y a des soutirés, si pas des soutirés, pas des volets non plus, ça veut dire qu'il y a des experts. Alors, pas qu'on est, on a bien dit, mais il y a des experts dans des sociétés, il y a des mondes, qui peuvent arriver, voilà, qui a cautionné et qui a valider des comptes qui sont nécessaires. Ou sinon, il n'y a pas alerté sur des comptes qui sont nécessaires. Ça, c'est des barrières qui peuvent arriver. Donc, là, on dit des situations comme ça, on peut poser des questions pour tuer tout le temps. Et puis, pour tuer, Greg Tala a perdu. Mais il est bien. Je Manuela, Claire Berdoulot, qu'il n'y a pas fait pour Air Force. Air Force, durant le temps, Covid, tout ça fini. Yo viens mettre un bien pour sortir Martinique, Guadeloupe, alors en France, Paris, 1 200 €. Tout à fait. On a supposé que RT, on va acheter qu'une ligne de voilà. Transatlantique, 20 tickets, billets à 1 200 €. Mais c'est ça le problème aussi. Parce qu'il y a des enjeux. Voilà. Il y a des enjeux aussi que, en fin de compte, ou quand tu travailles, ou quand tu as des marges. Des marges exponentielles qui sont faites en les dos les clients parce que le dernier pigeon c'est le client, c'est le consommateur, c'est le consommateur. Et donc nous avons tout ça là, ce café là, et puis que nous avons des rotations qui très donc nous pas ni monde qui a remplacé nous, il y a des bails qui difficiles. Et bien nous demandons aussi que dans toute bête là que nous trappons à nous aussi, et c'est ça qui est souvent c'est ça qui est fait. Il y a des injustices qui ont été mises en place et que nous devons combattre contre des injustices. Et d'où les moments également que la partie privée, c'est ça qui a fait que ça a rendu l'activité économique normale opaque. Voilà. Voilà. Monsieur Deux. Tout à fait. Monsieur Deux. Sauf qu'on peut contrôler les services fiscaux publics, qu'à arriver à contrôler Google. Mais il faut. Mais c'est ça, mon cadeau là. Voilà, c'est ça, mon cadeau là. Mais comme il y a des gens qui suffisamment, et c'est mon cadeau, qui des fois, qui a mis l'intelligence à la disposition de la fraude, eh bien, des fois, on a des situations d'opacité que les services fiscaux n'ont pas forcément déceler. Mais de toutes les façons, il y a toujours un jour pour le. Comment on appelle ça? Un jour pour le. Un jour pour le voleur. Voilà. Sans jour pour le voleur, un jour pour le gendarme. Et nous avons un petit problème qui a dit que tout cochon est samedi. Donc, tout le temps. Et nous avons un exemple, c'est que nous avons montré. D'ailleurs, le dossier n'a pas encore fini non plus. Il faut que nous vivions. Un jour, nous avons le fin fond de le dossier. Et bien, combien de temps c'est que nous avons agi. Agi et prouvé. Voilà. Et nous avons trouvé. Voilà, c'est ça. Donc, à un moment ou à un autre, nous avons agi. Voilà. Tirons-le sur tout ça. Ça, le journal Média Bordado, l'information, le journal, on va faire l'information, on va toute l'information qu'il faut. Tout à fait. À la société, à la cité, c'est ça le mot qu'il faut donner au sens politique. Je fais de la politique, de la région où je m'occupe du bien-être de la cité. De la cité, voilà. Donc
Non, pas la politique, mais l'élection, mais nous, pas la politique. Voilà. Donc, on n'a rien compris. Mais c'est tout ça. Et puis, la politique, d'une manière, dans la pratique, dans la panique, un odeur et inodore et colon, la politique panique, panique, on va faire chaque jour. Voilà. Ça m'a fait ajouter, c'est que, effectivement, toute la vie, on a toute la vie où on a fait politique, ça veut dire manière où on a élevé les choux. C'est en forme de politique. Manière où à alimenter le corps. Eh ben, nous avons parlé tout à l'heure de l'autonomie alimentaire. Eh ben, faire en sorte que les on alimenter le corps, on alimenter le corps, et puis les produits. Le souci. Voilà. De partager. De partager. Voilà, de partager, et puis de faire en sorte que on alimenter le corps. Et puis ça, environnement. Mm-hmm. Environnement premier au Kaba. C'est dans la saison, en fait. C'est dans la presque une année qui a fini. C'est la saison mango. Fiapin. Ouais. Zaboka. Mais, eh ben, en nous, quand des chansons, quand nous manger, pays. Pour que nous réalisions, il y a une mango, il y a zaboka, il y a fiapin, il y a tamarin, il y a une jujube. Pour que nous, faut que nous oublions, on pas qu'à dropper, manger un petit peu, on pas qu'à dire pas manger ça. Mais, il y a tout ça. Et ni caïmi, on nous manger payant. Et c'est ça aussi. Parce que, et en même temps, nous avons créé une dynamique d'économie. Tout ça, on peut faire, et puis, comme bagaille qui en est en bas. On est en Fiapé, il y a tellement de bagaille qu'on peut faire, puis Fiapé, que nous, on a dit, mon Pucci, il y a Fiapé d'où. Même Fiapé d'où on peut servir. On peut servir Fiapé d'où. Voilà, fait ça là. Et puis, l'on a dit pour les autres. Mais on peut faire un petit jus, on peut faire un petit jus, faire une fiapé aussi. Donc, c'est tout ça, et tout ça, ça c'est politique. Tout ça, c'est politique. Maintenant, on va positionner quoi, dans des réflexions, dans des côtés. C'est politique parce que ça veut dire que si on semble toujours débrailler en côté, ou toujours tomber en chemin, qui exemple ou pas bas? Ça qui a venu après, ou bien ça qui est même manière qui est plus fragile. Ça aussi c'est politique. Là on va engager le bénévolat, ça aussi c'est en action politique. Ça veut dire qu'on va engager pour la cité gracieusement. Ça aussi, le don de soi, c'est aussi un positionnement politique. Et toute la vie, normalement, pour mener vers un positionnement politique. Alors, mais comme ça, mais quand c'était le journal Mediapart, la question du secret en démocratie n'est donc pas plus seulement celle de l'opacité du pouvoir politique, lequel n'a cessé ces dernières années de céder du terrain devant l'offensive du capitalisme et en recul l'avantage. La réforme de la retraite, Madame Clébert-Deux. Ah, bien exemple, on va. Sous le poids de la folie criminelle enfantée par son emballement intrinsèque qui s'enrichit par l'asservissement de l'homme et de la destruction de la nature, de l'exploitation du travail du premier et de l'appauvrissement des richesses de la seconde, la nature, qui a appauvri de plus en plus, il avait dû concéder du terrain durant les 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale, si on va parler de nouveau, du moins en Europe et en Amérique du Nord, c'est les pays qui enrichissent le plus après la Seconde Guerre mondiale, acceptant, non sans contrainte, de composer avec l'État et de partager avec les salariés. Durant la fin des années 70 et le début des années 90, c'est en infini la prédation, les prédateurs, les voleurs, les coquins. La prédation est redevenue le ressort d'un capitalisme rapace, libéré de ses anciennes entraves, grâce au monde unifié de la globalisation. Quoi faire information, quoi transférer là même, en ligne, quoi faire milliards, au monde unifié de la globalisation et en même temps renforcé dans ses opportunités par la nouvelle révolution industrielle dont le numérique est le moteur. Pourquoi changer les jours des obligations de voici le jour. Tout à fait. La globalisation, la mondialisation du capitalisme, c'est la mondialisation du capitalisme. Hein.
Et ça, c'est notre compagnie. Ça fait quand même une belle grande idée que les cultures joignent au Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas que ça. C'est là le monde entier. Mais c'est ça le problème. Et il y a un paradoxe, nous, quand on joue des jours, c'est qu'il y a quand même des pays comme l'Afrique, même nous, hein, il y a quand même des nous, à la limite, d'y faire des efforts pour réduire notre niveau de notre consommation carbone. Alors que les premiers qui attaquaient, qui faisaient des attaques au niveau de la nature, c'est à même qui quand même nous faire des efforts. Hein. Les pays européens. Voilà. Non, mais plus surtout, mais déjà, là où on est dans un pays comme l'Amérique latine, et puis on détruit ou massacre les populations qui étaient à la, toutes ces Amérindiens, toutes ces Indiens, c'est déjà une première extraction que vous faites dans la nature. Ça veut dire que vous tirez des populations qui étaient là et puis vous mettez un autre système. Et l'espèce animale, oui, tout à fait. Végétale disparaît. Disparaît. Des procédés, voilà. Et même, c'est même pas qu'elle a, il fait, il procédé en Afrique, là, il a fait des races. Ça veut dire que, à ce moment-là, on a déporté des populations, on a fait en sorte, on a fait que c'est des blessures qu'on a mis, des blessures naturelles, physiques qu'on a mis dans un territoire. Là où on vient, et puis on a mis des mounes, on les Martinique, alors, Wanakaera, les Taïnos, toute génération qui était là, on a détruit, on a massacré, et pourquoi venir mettre une autre forme de culture? Prenons l'exemple de la canne, c'est pas comme on dit, mais quand on a mis la canne, pourquoi venir, pourquoi mettre dans ce là en organisation, oui, en plante, et bien une organisation industrielle qui a affaibli le terrain, qui a changé le système économique premier qui était là. Donc, en fait, toutes ces moutons-là qui ont demandé aujourd'hui, je vous virer à des comportements plus écologiques, et bien ça a fait mourir. Ça a fait mourir parce que ce n'est pas nous qui détruit les ressources naturelles. Jeudi jour, un marin pêcheur, il n'y a un canot, il ne peut pas ni mettre plus grand, ni. Et, parce qu'en France, ils ont surexploité zone de pêche. Mais comme nous, dans justement, dans l'article 73, l'identité législative, donc nous cassons le même sort là. Et donc, alors que nous avons des possibilités que nous ne pouvons pas faire. Donc, ça va arriver. Nous avons l'impression que nous avons un chien qui a mordu la pied. Mais le problème, c'est ça. Chaque fois, nous arrivons au même point, au point de la responsabilité, au point de l'autodétermination. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est un axe qui est très, très important. Que justement, nous pouvons aller défendre. Et bien, lors d'un congrès, nous pouvons tirer les enseignements, que nous reporter en temps et en heure et dans les bonnes formes, dans les règles de l'art auprès du Premier ministre. Nous avons bien le même dans le magazine La Parole au Peuple, nous avons vraiment Manuela Kemberdoulo, élu à la CTM, élu au groupe du Grand Assemblée, élu au Comité national lui-même, mais moi je dirigeant du Comité patriote. Nous aborder peut-être des sujets actuellement, peut-être nous pas faire dans la parole au peuple. Bon, oui. Nous a parlé un petit peu du congrès qui fait à la CTM, à manier précipité, à manier bricolage. Et nous croyons que par rapport peut-être à d'autres territoires qui ont fait travail en l'autre manière, nous croyons que véritablement, ça nous demande en 2003, hein, où on a parlé de peu de l'évolution de. Institutionnel, c'est-à-dire que par institution, les moyens de mieux fonctionner, et nous croyons que les choses sont à la manière bricole, quoi. Et que par conséquent, ils ont fait ben, la vie d'année anti-axe intéressant, mais ils ont construction, mission, madame, et qu'a fait, ben, là, commencé à venir en mai. Et donc, bientôt, nous clairement, c'est aussi des sujets, encore ici, à Thématinique, qui
qui peut retenir l'attention des auditeurs. Moi, pourquoi ne pas croire que les grands sujets d'actualité internationale, comme nous parler de globalisation, ben, qui nous le met, c'est paraît loin, on voit ça à la télévision. Mais c'est des sujets qui a touché nous, tout près, qui brûlent. On nous parler des questions de numérique. Nous, à présent, c'est nous aller du numérique, c'est ça qui va travailler. Mais quelque part, la machine en place, même si vous voulez aller, nous à Cuba dans les autres pays, eh ce n'est pas tout côté qui mérite motorisé, robotisé, mettre machine, qu'on est obligé de mettre machine. Il faut laisser la place à l'espèce humaine, ben, on dit journée travail, on dit semaine travail, on dit mois travail, on va payer mon Cuba, on va respecter le pays là, parce que bon, ben, vous mettez mon cadre à là, même si ça va jouer des gaffes, mais quand il y a tout le monde, toute sa famille, vous avez accès à l'éducation, vous avez accès à la santé, vous avez accès au logement. Parce que Cuba, les gros cyclones de la partie tout partout, même quand vous êtes au niveau des États-Unis, vous va compter les morts par dizaines, alors que Cuba, il va sauver la population d'abord. Voilà, tout à fait. C'est là une la stratégie de mettre l'être humain au milieu du développement économique, au milieu du développement durable. Tout à fait. Alors que c'est tout à fait ça. Mais il y a des gens qui prennent l'homme, le capitaine, soi-disant l'homme devant, et ça a réuni à toutes sortes de carrières. Voilà. Donc, et puis, voir les épidémies. Voilà, tout à fait. Et puis, en fait, c'est que de la façade. Que de la façade, il y a des formes soi-disant l'humain, mais finalement, c'est juste une exploitation de l'humain qu'il va faire de manière, je veux dire, éhontée. Éhontée. Ça, ça nous met comme ça. On a une image, Mme Bertolo, qui a dit qu'il faut y avoir un café caillot, une jardin à la grande jardin, et puis un petit prière, un petit machin, puis à la banille, la porte machin. Mais à présent, tout le monde a fait un caillot, il y a des portails électriques. Ça a l'impression que, au-delà de Kaïmouna, ça qui dérange, c'est une autre espèce qui la voit. Et puis, il y a un petit caillot. Vous voyez, quand il va y avoir un petit canard, on va aller fermer tous les soirs. Mais après, ça va dire pourquoi tu as fermé, tu ne peux pas bien en même temps. Non, mais le problème, c'est que. Alors, c'est. Pourquoi c'est de de non-mobilisation de l'être humain. Voilà, c'est-à-dire que. Non, mais c'est que tout ce qui t'a tout ça qui t'a fait. Alors, pareil, c'est la modernité. Mon pareil, critiquer forcément ça. C'est de la modernité. Mais c'est bon, quelque part, il faut payer même dans la boutade. Effectivement, vous pouvez mettre un barrière électrique et puis un jour, ben, la barre a ouvert et vous faites un dedans. Ça peut arriver. Donc, il faut que nous aussi, nous dégardions la part des choses. Parce que, ici, ni ça met ni un barrière qui est encore plus, qui a fait même encore plus. C'est portable là. C'est-à-dire que, pourquoi des fois, et souvent, c'est d'ailleurs ces journalistes-là qui ont alerté ça. Ils ont montré des familles, ils sont connectés tout partout. Mais il y en a ce moment, papa et puis chassé de votre table, personne n'a pas parlé de bagoyo, il n'y a pas parlé de bagoyo, il y a les portables. Donc il y a un lobby qui a fermé nous. Voilà, il y a un lobby qui a fermé nous, mais c'est justement, c'est ça pour, c'est contre ça pour maîtriser les choses, qui savent les limites des bagailles pour nous pour nous savoir ça nous a fait mieux, connaître les bons, les avantages, les inconvénients de certaines bagailles. Et c'est vrai que le progrès qu'apporte la domotique, l'informatique, les réseaux sociaux, où tu as parlé tout à l'heure de l'IA, de l'intelligence artificielle, eh bien, ça va tout bien pour nous servir. Pour nous servir, du bien-être. Et là, nous rendons compte que, eh bien, il y a des utilisations de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui a complètement dénaturé les bagailles. Il y a des qui a peine l'examen, parce qu'ils ont utilisé l'IA, ils n'ont pas fait cerveau et fonctionner. Ça a appauvri la réflexion de nous, la faculté cognitive. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est des bagailles qui. Il faut que nous savions comment on y est pour nous servir. C'est ça le plus important. C'est un enjeu d'avenir, moi. Tout à fait. Il faut que nous fassions attention. Et c'est souvent, comme en cas il y a des bagailles qui sont faites pour, en principe, à soi une bonne idée, à soi pour un bon bagaille, et puis l'utilisation qui a fait que. Qui a dégradé, qui a
Ta perverti, en fait, perverti. Voilà, donc à continuer, nous pouvons faire téléphone si vous voulez. Il est maman qui tente ça nous dit pour talent et qui tient l'attention. Donc vous pouvez commencer à téléphoner 62 88 99 05 96 62 88 99. Numéro de téléphone, vous avez dans le magazine La Parole Peuple, quoi, ici, Manuela Clem Bertolo, élu du Grand Assemblée à la CTM et qui membre du comité national, membre des dirigeants du comité patriote. Comité patriote. Voilà. Et donc, à dire le moment, donc, même peut-être les sujets ne pas évoqués, s'il y a peut-être d'autres questions, et si Manuela Bertolo, ni les éléments pour répondre, il y a répondu, si pas les éléments, ben. C'est ça un peu l'honnêteté réunie, ou pas des éléments. Je ne vais pas répondre, je ne vais pas là pour commenter avec là. Je vais dire ça m'en connaît, je vais dire ça m'en sable, et puis expérience, je vais parler. Voilà, comment un premier appel au 0596 62 88 99. Allô, bonjour. Bonjour, à la tête. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, à la tête. Oui, bonjour. Merci. Déjà, vous avez raconté, vous avez merci. Oui, 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 on va parler de ce que très bien. Et puis, c'est Michel de Castellet, moi, je vais dire du monde au début. Parce qu'on va considérer comme le ministre, comme le bon père de la négociation. Si un négociateur ni toi, ni toi, toi, père, on va considérer le ministre comme le bon père de la négociation, de la légitime défense. Comme moi, c'est un bon moment, je ne pas la famille ministre. On va là, je ne peux pas même parler pour le ministre, c'est un bon moment. Jean Bouman, tout à fait. Oui, je ne peux pas même parler avec la personne qui cherchait pour avoir une famille majeure. Bon, mais et puis, vous voyez, il a été le théoricien, disons, au secteur politique. Secteur politique. C'est René Monsieur qui a été son théoricien en politique. Mais c'est un homme qui s'est passé beaucoup. Il paraît qu'après c'est pas une gouvernement. Et maintenant il n'y a pas là parce que papa n'a pas les beaucoup de René Monsieur. Parce que vraiment c'est en 1929, René Monsieur c'est pas bien, c'est quand même. Mais ça a été, c'est lui qui a fait ses airs politiques. Pas ses airs, pas ses airs pour être. Mais ces airs politiques ne vont jamais nous vivre. Et moi, j'ai caché dans ça. Et puis, moi, quand je suis venu dans les conversations avec Mme Bertolo, moi, quand je fais les morts, surtout les morts antilitaires, qui insistaient pour être au ministère, dans les ministères français. Français, c'est colonisateur, qui sont en train de méchanceté. Et comment ils ont pu insister pour être là. Son caractère là, créer ministère au Waou, on y a plus dit, créer ministère au et vous créez ministre Bokayo. Son caractère là, c'est même manière, ma question à ma charrière, il y a un journaliste qui a fait ici, qui n'est pas l'étude, un journaliste noir en Martinique là. Et il y a un problème, donc il y a un email, il y a un email. Et là, vous avez fait, il y a fait tout un pourquoi vous avez dit ça, et il a été nommé, et ça, et ça, et ça. Considérez ça un événement qu'un noir, disons, en Martinique en plus, et pour qu'on se porte en Zobdan, par Zobdan, comme il est, sur le pays du Mont Bamanoï. Et les journalistes, ATF, et puis, quand on a fait ça, c'est vraiment ridicule. Quand c'est vraiment ridicule. Alors, que le ministre aujourd'hui, je cherchais à être ministre. Bon, je ne sais pas si j'ai cherché à être ministre français. Vous vous direz, c'est quoi, c'est ministre de l'Ouvre, mais seulement, il est bon pour nous. Qu'est-ce que le ministre français n'est pas bon pour nous? C'est pas pour tirer nous, non. Vous voyez, on a pas de bon maman, on a pas de bon maman, on a pas de bon et vous voulez être pour les boys. On a pas de bon maman. Il parle pour les oreilles, il parle pour l'aura. Et puis c'est tout. Mais c'est pas parce qu'un blanc colo, c'est humain,
Et mon cas pour nous, c'est pays parce que nous sommes en train. Je suis en train de faire des choses. Pourquoi? Et puis, en dernier point, l'affaire les clôtures par eux. Mon capitaine a parlé par les clôtures. Et aux autres consacrés, la technologie. La technologie ne peut pas faire disparaître la culture. C'est plus le mode de vie. Parce que moi, je suis en train de faire des choses. Moi, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Et puis, il faut dire les choses. Papa, maman, je m'en dis les choses. Je m'en dirai. Je m'en dirai. Je m'en constate des clôtures. Je m'en dirai des clôtures. Alors, je m'en dirai des clôtures. Je m'en dirai. Comment je m'en dirai des clôtures? Parce que depuis que je m'en dirai des clôtures, l'hôtel, je m'en dirai des clôtures. Parce que l'hôtel, c'est un clôtures. Après, il n'y a pas de bête. 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 Bonjour, Madame Bertolo. Bonjour. Vous m'avez dit donc qui?
Bonjour, monsieur. Comment bonjour. Oui, j'appelle parce que je n'accepterai pas d'appeler sur cette radio. Cette radio qui est internationale. En tout cas, moi, je vois, j'ai été très curieuse quand j'étais petite, je n'étais pas l'autre. Mais quand je regarde que moi, avec mon petit sac de kaki, que maman faisait, que maman avait fait pour moi, pour mettre mes livres. Et je vous dis qu'on nous a parlé de Charlemagne. Mais ça fait rien de nous, parce que c'est pour nous connaître toute l'histoire de la France, mais ça nous a fait serré. Alors, il y a un ouais, madame Cholo, qui vivait, même si c'est les jeunes, qui a même si c'est hier, moi, j'ai un bel âge passé, mon Dieu, mais c'est madame Cala, pour connaître quand il voit toutes ces hommes-là qui sont intelligents, actifs là, par des terres des armées. Nous avons une question rapide, la signale ma désobéissance à la tonne. Oui, parce que là, ça ne peut pas passer. Ça ne va pas nous. Nous ne pouvons pas garder la mortalité, couler pour ça. Et puis, c'est pour ne pas parler de quoi il n'y a pas de conscience de quoi il n'y a pas de vie. Que ce que vous êtes quoi bien pour l'univers va marcher. Alors, qui ça qui nous va aider? Si c'est pas madame là, et puis toutes les membres qui mettent quoi là. Parce que toutes ces mounes qui viennent hier matin, c'est courir la mort qui est courir. Moi, il n'y a pas qu'il est courir. Merci. Et sauf ça, ça allait bien. Parce que moi, quand je parle avec moi, je dis, parce que les gars, ils m'ont dit, je dis, je vais mettre tout le monde à tout vie. Alors, moi, quand je parle pour moi, parce que nous, on n'a pas parlé, c'est pour que nous, on est bien dit dans le merci. Merci pour le courage, moi, ouais. De quoi se trouve bon la journée. Merci pour le courage, vous serez. Pour ne pas poser question. Merci. 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 Voilà, ben nous avons un compte d'appel 62-88-99. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Merci de passer un jour. Oui, pas de problème. Eh bien, normalement, ce que je vais vous montrer là. Je vais vous montrer tout le monde avec la soirée. Merci, bonjour. Bonjour. Et puis, particulièrement, ça a monté des listes que moi, déjà, pourquoi je ne t'ai pas encore, tu vois. Puis je tiens à l'expliquer, moi, vous verrez, je vais écouter. Et vous écoutez, je suis bien content parce que je suis bien content de m'entendre, ça fait un plaisir. Merci. Quand on est en partie, on est découragé. Et puis, je me rends compte que Martinique, au Dieu fait nous, que nous en Acadignan aussi, et ça fait un plaisir. Alors, je suis encouragé, c'est à qui parler à. Vous dites qu'on s'en est au courage, et puis bravo, dit la vérité. Parce que nous tout normalement, quand le chien a mordu la tienne, nous avons vu que de toute façon, nous avons d'autres solutions, d'autres choix. Si nous voulons libérer nous, et bon, l'indépendance nous, mais tous les jours, nous disons que parole qu'a parlé, que la a dit, et puis en fait, ce qui va expliquer nous, ça pour nous faire, c'est expliquer peut-être comment dire, nous pouvons tirer contre la paix. Et puis on entendait plus l'autre, mais on a pensé qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Et puis on entend aussi que la parler de l'Afrique, c'est vrai que nous avons plus de richesse, et puis que l'Afrique, il n'y a pas dit par rapport à la colonisation de la Russie, et ça, c'est qu'il y a un peu d'éducation, c'est que l'éducation familiale, c'est un valet qui a respecté. Alors on dit par rapport à ça, on va dire plus de la Russie, vu le peuple martiniquais, vu les autres aussi, et qui a fait des très belles émissions continuées. Merci à vous, merci. Bon dimanche. Merci, bon dimanche. Pour qu'on ait une question par rapport à l'émission, nous avons des points de vue, des opinions, bon, respect aux opinions, axe de réflexion. Vous pouvez avoir d'autres appels, 05-96-62-88-90. Allô, bonjour. Bonjour, je ne m'en on peut parler de Taoulé, nous ne pouvons pas parler de Taoulé. Sauf si d'ici ça appelle l'idée. Donc, pour y aller. Parce que nous, moi, je suis
Il n'a même pas eu le récapitulé au bâton. Bâton, on était en parole. C'est pour ça que vous pouvez appeler des maillots au sage, non ? Ça va vraiment mal. Très bien, donc ça c'est. Non, moi, je ne parle pas de politique, mais ça va vraiment mal. Donc, chaque fois que je vais faire moi, je vais sauter des principes, même si c'est des gens qui amènent ces principes-là, moi, d'abord, et puis, c'est des principes. Moi, je vais les principes. Je vais les principes. Tu as des belles couleurs, tu as blanc, tu as jaune, tu as noir. Bon, laissez-moi vous donner à penser pour faire pour le bien-être de la société. Bien-être de la société. C'est des principes. C'est des principes. Très bien, mais on va faire mal à ça. Sur la verticalité de. Du positionnement politique, par exemple. Voilà. Oui, oui. Bonjour, merci. Si, merci, nous avons un autre appel, un petit qui est arrivé là. 62, 88, 99. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, à l'appel. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Parce que je ne sais pas si vous avez un problème. Mais déjà, nous avons parlé de Pani à connexion, la connexion à l'éolienne depuis la suite. Bon, je vois, parce que moi, ça, vous n'avez déjà pas de place. Alors, on va le niveau transport et échange dans les transports aériens, ouais. Oui, pas seulement mathématiques, pour simplement se dire Pani à connexion à l'éolienne. C'est ça. Tu dois s'envoler, pourquoi pas dire s'envoler, car il y a un article. Disons qu'on est sain, il est peut-être qu'on est sain, il est bien. Et vous m'avez arrivé un jour, parce qu'on a quand même le matin, qu'on a habité au matin, qu'on a habité le matin à 3 h du matin. Ça fait une bonne habitation, comme. Et pour la dernière fois, c'est aussi, dans les cafés, j'ai une émission, et puis qui ne voulait pas avoir bien, il y en a un peu là, le journal de la République, très connu. Et puis c'est justement l'émission des campagnes du. Et les connexions de l'aviation, les connexions aériennes en Afrique. Et bien, si on a trouvé que nous n'avons pas de connexion, et bien, à l'émission, il y a déjà parlé que, aussi, pour Abidjan et pour vous aller par Kenya, par Yvonne, il faut que vous montiez à Paris et que vous pouviez descendre. Je ne veux pas. Eux-mêmes, à l'interne, il y aura une grande difficulté pour que ça roule un petit peu. Et puis, je vous conseille, c'est la compagnie aérienne qui s'y a en Afrique, c'est la compagnie éthiopienne. L'éthiopienne est la compagnie européenne d'Escaï. Bon, est-ce que l'Afrique peut être à la difficulté d'avant? Et un pays qui a fait 70 millions de kilomètres carrés, et puis quoi, 1 milliard et demi d'habitants. La force de ridiculiser les politiques. Au cas où on va supprimer 100 millions d'euros, hein? Ça va coûter 100 millions d'euros. En vrai, il va coûter 100 millions d'euros. Et là aussi, il va coûter 3-4 millions. Et c'est l'autre. La force de ridiculiser. Très bien. Quand vous parlez de questions, vous venez de l'association d'Aton. Dans le langage de sortie. Merci, nous avons un appel au téléphone RDM 0596 62 88 99. Allô, bonjour. Posez une question. Bonjour. 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 Oui. Moi, ça m'a
7 ans à gagner. C'est ça pour nous marquer. 7 ans à gagner. Hein? Dans 7 ans à gagner. Ah, c'est dans 5 ans. 5 ans, 5 ans. Et bien, vous pouvez dire la fédère. Ah, mais il y a d'accord, bon. Ah, oui, mais il y a la fédère, il y a la fédère. La fédère, oui. Pour nous, parce que nous avons fait un travail d'aller. Nous avons fait un monde, nous avons fait un personne, nous avons fait un paquet, nous avons fait un monde, nous avons fait un monde, nous avons fait un monde. Attention, c'est déjà votre point dans le monde. Chaque génération va vous mettre pour continuer. Merci, merci pour avoir donné l'appel. Mais vous êtes en train sous les zones. Oui, moi, je la fais 10 mois. Ah, nous, on va faire la fin de mois. C'est peut-être en septembre. Oui, oui, oui. D'accord. Merci, bonne journée. Vous avez un appel, on a un appel, mon bébé Toulouse. Bien bonjour, bien bonjour. Bonjour, tout le monde, mon docteur. Bonjour. Comme l'Assemblée de la Marocque, qui s'amuse le type qui est présenté par le gouvernement, c'est l'effet d'un pays le plus malin. Comme le type est le ministre de la Marocque, je ne sais pas, mais on voit qu'il s'est gagné actuellement. Mais je suis un fâcheux, malheureux. Il est capable de prendre chaque sac, c'est seulement ça qui est capable. On ne sait pas toujours pas, on ne sait pas. Même si c'est un rigoleur, c'est un menteur, c'est un menteur. Il est capable de le faire, mais qui s'est capable de faire, qui s'est capable de présenter. La bien qui a présenté la Martinique a présenté la Kadaki. C'est ça la Martinique a présenté actuellement. Au moins, dans, si on peut répondre, ou dans le maquillage, qu'est-ce que au moins la proposition du Parti communiste de 1971 qui est très fort en conscience, nous, peut-être que les Martiniques font qu'ils approprient le projet de. La convention de Bordeaux. Mais nous dit, il y a un travail qui est fait hein, quand même. Mais nous allons répondre, après nous allons poser des questions. Ça c'est à vous. Deux fois, quand il y a Baïka dit que je suis français, il est français que ça ne fait pas. Si on veut mélanger des babelles ensemble, ça ne fait pas vrai. C'est nous ou l'autre. Malhonnête, c'est un coquin. Ok, merci. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Oui, j'enveloppe. Bonjour, j'enveloppe une indication, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, d'accord. Une indication sur le petit grand que j'entends parler beaucoup d'Algérie. Bon, on va sentiment de le gars, si nous pas les mains, nous allons poser. Mais bon, nous l'autre fois, mais mon père, le gars, il va répondre. Et nous sommes en train de la encore. Ok. Ok, alors merci. Ok, merci. Bonne journée, merci. Donc, qu'est-ce que vous appelez qui est là, mon père Toulou? Peut-être qu'il y a une question, deux questions qui étaient opposées. Le oui, temps, alors, nous parlons le temps. Donc, oui, c'est ça. Alors, je vais aller vite. Alors, moi, quand même, quand il y a des. Notre association, c'est mon sauf si vous voulez le dernier, il y a un dernier cas, puisque il y a un dernier. On va prendre le dernier appel là, 0596-62-88-88. Allô, bonjour. Je vous ai le dernier appel là. Oui. Il y a un peu de trois semaines, moi parlé parce que des pistons, et puis on leur parle, madame Dila, tout ça. Madame Dila, ça et ça, moi j'ai le nom. Moi j'ai dit épisode, les chimies, pourquoi vous voyez qu'on les a dans les moi, bien dit, il ça, apprendre pour les ça pas ça pour les parce que moi, ça pour les lettres, pourquoi pas être oui. Faut veiller les chimiques qu'on l'a dans la vie. Depuis la présidence Sarkozy, les chimiques ont passé par tous les moyens pour faire la paix passer. Il parle de lui. Au fond, il parle de lui. Les chimiques, c'est pas la ruse. La ruse, il est pour la mort. Parce qu'on s'en fout, mais ça, c'est pas question de faire ton PPM, non. Parce que sans l'air chimie au départ, c'est déjà l'air chimie. C'est la transgénétique, ni le père pas qu'il dit. Parce que moi, j'ai dit, et puis l'habitation à la niveau, moi, pas qu'il dit, en l'air origine famille ici. Mais moi, tout comme ça, l'air chimie, pour le pays, on l'est dans l'ici, pour parler à l'ouïe. Mais, ni le père, le gros, j'ai dit, créateur, péché, ça s'appelle. Et puis,
Puis deuxièmement, entre l'autonomie et puis l'indépendance, moi, l'autonomie s'en fait tant. L'autonomie s'en fait tant. Parce que l'autonomie, là, la partie vous donnez, et que tout bon débarras, parce qu'il y a des tout bon en l'eau, et qu'il y a des peu de devoirs en l'eau. Parce que, et puis l'autonomie, c'est la France qui a dit donne le tobacco. Pas même encore aujourd'hui, dit donne le tobacco. Vous comprenez? La période d'autonomie, c'est un petit peu de c'est deux bagailles, c'est soit full France ou zéro France. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris que ça zéro France. C'est soit full France ou zéro France. La période d'autonomie, le PPM, qui a fait comme ça, ça s'en fout un petit peu de parce que la France, c'est pour garder quoi des soldats. Quand les soldats, ils disent que c'est là, il fait tout ça pour que les gens aient, il fait qu'ils aient des droits, il fait qu'ils aient des droits. Voilà, ça, c'est mon dit. Mais veillez là-dessus. Allô? Merci, 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 merci. Donc, c'est pour le vu, donc, Mambetoulou va commencer à aborder la conclusion. Oui, alors, en fait, alors déjà, mon rêve est planté bien ces questions. Qui, en fait, ces questions et ces points de vue, donc en fait, Michel Premier, nous, qui a créé, a parlé de ces gens qui ont insisté pour être dans les ministères français, les Noirs qui ont insisté. Alors, il faut que tout fasse quand même la différence. Hein. Il y a des matinités qui ont considéré que y a français. Et en quelque part, c'est choyau du fait de considérer que Martinique, que la France c'est patrio, c'est pas tard, mais pour moi c'est Martinique qui est patrimoine. Et puis nous ni des gens qui c'est des gens ouais, c'est des gens qui de descendance qui c'est des afro descendants et qui ni toute génération yo né en France. Est-ce que ni des gens est-ce que vous pouvez poser pour la question des gens qui noirs qui afro descendants qui quand aux États-Unis et puis qui est toujours pas considéré comme des États-Unis. On y tout à l'heure Hervé Zenoki était capable de des mondes qui ont occupé des postes à responsabilité, à très grande responsabilité au niveau de l'Angleterre et ce qui d'origine indienne. Eh bien, c'est Moutala qui apprend toute Mizi, parce qu'il a considéré Koyo comme des Anglais. Donc, il y a des Noirs, même qu'il y a des Noirs qui peuvent considérer Koyo comme des Français. Maintenant, qu'il y a des Martiniquais qui ont pensé que dans ce système-là, nous qui vivons là, qu'il y a aller servir l'État français, pour enfoncer de manière plus raide cloire en disant tchèno, en disant gauche-nou, ça, c'est des gens qui vous posent yo, des questions en termes de positionnement. Donc, pour moi, effectivement, ça qui pour moi qui est important, c'est que, ou par exemple, il y a un organe exécutif là, sur Martinique, parce qu'on sait que, quand on t'a dit, par exemple, Pape Ndiaye qui lit, ni en feuille de route, qui a appliqué, même s'il n'est pas d'accord quelque part, qui a appliqué en feuille de route, ben, ça c'est le problème qui a engagé, il y a sur des valeurs qui ne sont pas à quoi est-ce qu'on a lié. Mais apparemment, c'est les autres qui ont reproché et qui ont fait qui a agressé de manière verbale et qui ont des propos capitaines, des propos racistes, et ça, on a condamné ça. Et c'est tout le problème, la France. Qui a dit que, soi-disant, ils parlaient de communautarisme, alors que, en fait, ils ont vécu le communautarisme, parce qu'ils ont failli en dehors de la France, là, ils ont côté, ils ont agglutiné pour eux ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont mis des réseaux d'emploi, pour occuper des postes matiniques, donc, ils ont mis disons, en comportement communautariste. Maintenant, oui, en quelque part, il y a des mondes, en Martinique, en Pacaoué, l'intérêt d'y aller servir la France dans le gouvernement, surtout que nous savons que chaque fois que il a servi la France dans le gouvernement, c'est pas dit bien, il fait.
notamment Martinique. À sous deuxième question, il y a une question, enfin c'est pas une question, c'est un point de vue à sous de Clotilde Barrière, on a prononcé comme moi, effectivement, on a une des textes, on a les HTI Barrière, Ibarité, il ne peut pas empêcher Ibarité. Mais ça n'a pas exclu qu'il est béni, même si Ibarité, qu'il n'y a en philosophie, en culture qui permet de vivre. Et puis, les restants monde. Maman, quand on sait, par exemple, on y de bon voisinage, des rapports de bon voisinage, mais on y a un voisin qui n'y a un chien. D'habitude, il est toujours camarade, il ne va pas quand même prendre le cas d'un chien qui est camarade. D'habitude, le chien est toujours camarade, on est un petit mouton, et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, je t'ai dit, il jambé, lâché, fila, il tue petit mouton. On est un voisin qui n'y a des moutons, bien, il y a des cabrites, on est un petit pied tomate, là, à mon cavini, on est un petit, des petits, on est obéi à ça. Des petites patates pour mettre en jardin, on peut essayer de faire des petites patates pousser, ben, il y a un cochon qui a fini labourer jardin ou non. Donc en fait, il y a des raisons qui peuvent faire qu'on ne peut pas arrêter. Bon, ça, ce n'est pas un bail qui peut empêcher que culturellement, on peut positionner quoi. Donc ça c'est un point de vue, c'est un point de vue même. Maintenant, madame qui parle du chèque énergie, alors il casse moins. Alors, on ne parle pas de toute information, mais il casse moins que chèque énergie, il dit que trévé à domicile, ces bénéficiaires-là directement. Et à un moment-là, il y a des bénéficiaires qui étaient peut-être directement proposés que chèque-là allait à direct prestataire EDF-là, ou sinon. Qu'il n'y a chèque-lis, quoi, et puis qu'il utilise les chèques-lis, soit pour payer les biens, pour payer ça, il peut permettre de payer les chèques-là. Donc, normalement, il n'y a pas tenu de démarche particulière. Alors, par exemple, si, c'est ça, moi, ni comme information, c'était ça, que tenu, qui était commencé depuis avril, et, on ne pas savoir qui t'a dit qu'il a fini, mais on pas quoi que, sauf si, et, on n'a pas été fait connaître, qu'il y aurait passé CAS là, mais qu'à ce moment-là, que c'est, chèque-là qui est arrivé, directement en les en boîte aux lettres mounant et puis casser le chèque. Alors positionnement politique, verticalité, oui toujours. Donc moi c'est à dans des marches là, moi toujours y est. Moi connaître, moi toujours un monde qui toujours positionné au niveau de la population, donc à changer les mentés plus jeunes. Eh bien c'est mon frère l'école moi mon calbas et en bas l'école mon calbas là ben tenir un groupe jeune qui est à SCPJ en l'autre chimie pour la jeunesse, c'est là mon fait premier petit pas de conscientisation politique moi. Donc éducatuellement c'est mon ami qui était dans SCPJ à m'a retrouvé yo, et ben il tenait des monde comme Francis Carole, il tenait des monde comme Charpentier Titi. Donc il tenait des monde, c'est là mon prend premier conscience politique, moi, mais en fait, les parents, moi, plutôt mon maman, qui était en pilotine, qui était qu'à suivre Alfred Marie-Jeanne à toutes depuis 71. Et donc, moi, il vivait à dans base de là, et toujours m'était comme moi auprès de ça qui n'y besoin en aide, en soutien. J'ai monté l'école et m'en fait l'école dans les chercheurs, donc on te connaît effectivement tout là aussi, m'a engagé comme moi auprès de camarades de l'école, moi, m'a quand même dit une anecdote, m'a cassé, donc on va voir moi en la télé, à l'été de grève, donc grève des étudiants, donc effectivement, verticalité, m'a regardé et depuis 2010, moi, je rejoins le BIM, moi, je suis le BIM en tant que sympathisant, mais depuis 2010, je suis engagé comme moi auprès du BIM, je ne suis pas engagé comme le BIM de Kagien, je ne suis pas fait comme d'autres, je ne suis pas allé prendre courant, les courants étaient bons, je suis engagé comme moi en 2010, donc nous perdons la région et je dis que c'est là pour nous renforcer l'équipe là, je suis engagé comme moi auprès du Capé la vie pilote. M'a engagé comme au mais donc m'a demandé mon Dieu par la force pour m'en continuer engagement moi toujours de manière verticale.
à sous les connexions aériennes, c'est des bagages différents. Hein. Bon, c'est vrai qu'en disant l'Afrique, il y a plusieurs pays. Il y a plusieurs pays. Effectivement, c'est assez compliqué pour mettre en organisation aérienne qui est efficace. Mais il y a des côtés aussi, ça a fonctionné très bien. Et puis, c'est des pays, même si il y a ni poids, la France qui a mis des bâtons au lieu, mais il y a ni quand même en indépendance, il y a en autonomie de compagnie. C'est-à-dire que yo peut décider par eux-mêmes, depuis ça, yo ni d'y mettre en dessert aérien. Yo peut faire. Nous ne pouvons pas faire. Même si nous l'est, nous ne pouvons pas si la France n'a pas l'autorisation. Et ça, la différence en yé. C'est là le fait d'y prendre décision d'accord, eh bien, nous pas dit le vieux pour nous faire. Donc, c'est des belles différences. Si ça a posé quoi pour dans ces pays africains, un problème organisationnel, un problème budgétaire, tout ça, pour nous, ça a posé un problème statutaire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, et même, mon pareil, aller juste en même institutionnel, c'est-à-dire que nous n'y a compétence qui permet nous dire, eh bien, oui, nous l'est, que nous n'y régulièrement des certes. Là, c'est souvent des chanteurs qu'on a fait. Des fois, c'est des petits coups sur le transport où tu nous permettez en dessert, comment dirais-je, vers les États-Unis, vers le Brésil. Mais ça a resté quelque chose d'épisodique. C'est pas mal qui a institué quoi parce que nous n'y avons volonté d'améliorer le transport en Haïti. Et puis, à son autre question, puisque le temps a passé, il est allé vite. Tu as parlé des prochaines échéances électorales. Eh bien, il y a des échéances électorales, mais il y a des combats aussi pour nous mener. Il y a des combats, notamment combats pour le plan d'école, il faut que nous gouvernions pour non lieu à pas. C'est pas ça qui est décision finale là. Nous disons à gouvernement pour nous, eh bien, justement, dans toutes affaires congrès, pour nous trapper plus de responsabilités. C'est-à-dire que nous gouvernons pour nous ni en levier sur la santé, en levier sur l'éducation, en levier sur la fiscalité, sur l'énergie, dans justement comité interministériel de l'outre-mer. Donc à constater que dans toute transition, toute bagaille qui a roulé sur la transition énergétique et toutes ces bagailles, eh bien nous avons plus peine que nous pas gagné. Il y a des points dans lesquels nous n'y a défendre, et c'est à travers le congrès pour nous faire, à travers les réunions qui viennent, parce que c'est ça aussi, c'est, on ne peut pas parler d'échéances électorales, mais nous avons des échéances qui, pour talent, c'est les prochaines réunions du congrès. Ça, il faut que nous fassions en sorte que dans ces réunions du congrès, ces résolutions nous qu'elles prennent et que nous puissions voter, que nous puissions valider. Parce que c'est ça aussi. Ça qui fait là, c'est un mascarade. Est-ce que vous pouvez comprendre que 23 mon appel, 25 mon appel, peut décider de porter ça nous l'est dans un pays. Alors qu'il y a 34 mai, ou pas ni. Ou pas même la moitié, c'est bien qui était là. Donc, ça, important que nous savons que faut que nous gommions pour des points qui très importants, qui sont justement ni à définir ligne politique, nous, le programme, nous qui peut mettre en place pour les prochaines élections. En tout cas, les premiers combats, nous qui là, c'est déjà le combat de ça nous fait porter l'autodétermination martinique. Et puis que nous faisons les propres calendriers, nous. Et que c'est pas l'État français qui a forcément dit nous. Alors nous avons fait des bagailles à la va-vite pour nous traper, ça y a des zones, mesures, des mesurettes. Et c'est pas ça nous les pays, nous les, que le pays a ni en vrai, que nous mettons le pays en vrai dispositif, en vraie organisation, en outil qui a permis de dire, développer quoi, qui sur le plan économique, qui sur le plan social, qui sur le plan culturel, environnemental, nous tout ça fait. Et puis, qui ça nous est présenté au gouvernement, mais c'est travail-là nous est tiré de ces commissions ad hoc-là, qui Daniel Maris, d'ailleurs, travaille et contribue en long à temps. Alors,
m'entends souvent, il y a nommé, oui, présidé par Concorde, mais tu dis que c'est vous qui avez amené ces commissions ad hoc là de conseil. Donc souvent, alors bien sûr, il y a parlé nommé Daniel Marissette pour minimiser les contributions, mais ça que Daniel Marissette était toujours présent dans ces commissions ad hoc là et il fait nous des retours au niveau groupe Grand Sable pour Martinique, non seulement au niveau des élus, mais au niveau même des partis. Donc, ça nous reporté par le gouvernement. Et bien, c'est, après, séances congrès à nous faire. Donc, en calendrier, il m'a proposé un calendrier qui est jamais la route pour nous prendre des résolutions, voter, et puis ensuite, mener en délibération au niveau de la collectivité territoriale. Et à un moment là, il y a un rapport, il y a un contenu qui que le président de l'Assemblée a été porté au niveau du Premier ministre là, et le Premier ministre là qui fait en sorte que ça présenté soit sous forme de loi, soit sous forme de décret, pour que ça paye et que nous ayons le maximum d'informations qui viennent dans les cinq. Et dernière question, Alevirea, c'était un dispositif de l'initiative de Manconcon, Catherine Concon, et qui en quelque part repris par la majorité en place à dans affaires de maison du retour, mais pour le moment, on pas qui ça a tellement porté bah nous, puisque nous avons constaté qu'il y a encore des jeunes qui partent. Et puis c'est aussi un dispositif qui semble qui plus de propagande qu'un dispositif qui véritablement des réussites pour le retour des jeunes. Déjà, la maison du retour, ça casse en bagage qui est apparemment assez macabre. On a pensé que ça n'a pas fait toujours l'unanimité à son nom. Voilà. Donc, mon passage, si vous voulez, essayer de répondre assez rapidement, parce que j'ai déjà passé à toutes les questions. Donc, c'est nous qui, on peut que, on pas dit d'autres bagages à ajouter à ces questions. Voilà, mais merci. Nous allons remercier les gens qui participent, qui téléphonent, les gens qui écoutent sur les réseaux sociaux, Internet, Facebook, Instagram, et puis on va écouter Valéo. Nous allons dire merci, nous allons souhaiter un bon dimanche. Nous allons avoir rendez-vous dimanche prochain, ou alors peut-être nous allons faire une pause pour ma route. Proposer un programme de rediffusion, toutes les grandes éditions magazines que nous venons de réaliser. Merci, bon dimanche tout le monde, et puis à bientôt, bonnes vacances. Voilà.